Muy buenos días, señoras y señores, telespectadores que nos están siguiendo desde sus casas. Hoy de nuevo nos presentamos ante ustedes con este panel de grandes analistas sobre temas africanos. Hoy vamos a hablar de la desestabilización de África. África es el continente con más población joven. África es el continente con más recursos. África es el continente que hoy en día se puede decir que si hay un pulmón todavía en el universo es África. África tiene la verdura del centro. A pesar de todo, África es un continente que está constantemente metido en problemas, en conflictos interétnicos, en conflictos muchas veces provocados. Hoy, en ese panel nuevo, vamos a intentar, dentro de lo que cabe, dilucidar sobre todos estos temas. Y con esto vamos a dar ya la entrada al programa especial para la cumbre de la Unión Africana. Listo. Virgilio Elamoto, buenos días. Hola, buenos días. C'est un plaisir énorme de parler aux Africains, aux africanophiles, à tous ceux qui ont une pensée pour ce grand continent. À l'occasion du 23e sommet de l'Union africaine, on se retrouve là aujourd'hui avec un nouveau thème et surtout avec des nouveaux enjeux. Tenez, d'ailleurs, le thème de ce matin, c'est l'Afrique dans la géopolitique mondiale, l'Afrique aussi avec les enjeux de stabilisation et de déstabilisation du continent qui attire évidemment les regards de tous et de chacun. En ce moment, ici à Malabo, la capitale de cette nouvelle Afrique, nous allons évidemment vous présenter tout de suite le panel. Alors, nous avons fait venir exceptionnellement un géopoliticien, à ne pas confondre avec un géopolitologue. D'ailleurs, la nuance est faite et il devra s'en expliquer. C'est Luc Michel. Il vient de Bruxelles. Il a tenu à participer ici sur ce plateau spécial de l'Union africaine en relais avec 30 chaînes de télévision partenaires sur le continent et au-delà. Luc Michel est là. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. À Malabo. Bonjour à vos téléspectateurs. Je suis particulièrement heureux d'être ici, parce que je considère que la Guinée équatoriale et son président ont un rôle majeur dans la renaissance du panafricanisme. J'ai beaucoup de gens qui me suivent en Afrique, particulièrement depuis que je suis un des panélistes d'Afrique Média. Quand je dis beaucoup de gens, ce sont chaque mois des milliers d'emails, des milliers de messages de soutien. Je suis à l'origine un paneuropéiste. J'ai été initié au panafricanisme par le colonel Kadhafi. J'ai exercé des responsabilités sous la Jamaïria au sein du mouvement des comités révolutionnaires dont je dirigeais le réseau paneuropéen. Et je, depuis 2 à 3 ans, j'essaye d'avoir un rôle moteur dans la renaissance d'un nouveau panafricanisme. Je considère que l'Afrique est un des territoires clés géopolitiques du futur. C'est ici que se déroule un des grands affrontements qui va déterminer le sort du monde. Et je pense que beaucoup de gens, même sans être d'origine africaine, on peut défendre le panafricanisme. Il y a eu de grandes figures. Che Guevara, qui n'était pas africain, est venu se battre au Congo en 1965. Et des gens comme Nasser ou Kadhafi, à l'origine, ce sont des Arabes, ce sont des panarabistes, qui ont été séduits, comme moi, par le sort du continent. Évidemment, on aura toute l'occasion de reparler de votre parcours, mais aussi de votre vision avec cette notion du panafricanisme qui est finalement un certain humanisme. On a le temps d'en débattre tout à l'heure, et la constitution du monde en deux blocs. À côté de vous, nous avons Roger Bongos qui est entre Paris et Bruxelles. Il est internationaliste, spécialiste des questions de développement, et depuis hier, vous l'avez découvert sur ce plateau, il est le patron de l'Agence internationale de presse Afrique Rédaction. Bonjour, oui, Roger Bongos. Bonjour. Alors voilà, je suis ici, je suis ravi. Avec cette thématique d'aujourd'hui, nous allons aborder le problème qui prévale en Afrique. Le problème grave, pourquoi il y a des menaces? Pourquoi il y a des menaces? Effectivement, on va regarder ces enjeux de déstabilisation, de cette Afrique. Pourquoi en Afrique, il y a de crises répétitives, etc. Là, on va pouvoir élaguer tout cela, comprendre ces enjeux et la bipolarisation qui existe aujourd'hui, la force de l'Union soviétique, enfin la Russie aujourd'hui, et les enjeux entre l'Afrique et la Russie, l'Afrique et les États-Unis, l'Afrique et l'Europe. Et là, on va comprendre pourquoi
L'Afrique est au milieu de tout cela. Nous, nous sommes ravis d'être ici à vos côtés pour en débattre en tous les cas. Juste à côté de vous, évidemment, de nous aussi, Éminence Sipala, qui est géostratège. Elle réside à Zurich. C'est la Suisse alémanique aussi. Vous savez, le panel est expressif et divers, comme aussi les mentalités africaines et les populations qui arrivent. Éminence Sipala, Vigé Sesdir. Mirgat Super Gwedankre. Ich begrüße euch. Ich habe sehr gut geschlafen. Also, das ist wirklich ein wunderbares Land. Ich begrüße meine Kinder und meinen Mann. Ich liebe euch sehr, sehr viel. Also, bonjour Guinée équatoriale. Bonjour à l'Afrique. Nous sommes là aujourd'hui pour donc parler des questions sécuritaires de l'Afrique. Et donc, j'apporterai mon avis sur ce point de vue, donc d'un œil géostratégique par rapport aux enjeux qui se jouent sur notre continent. Et on doit justement avoir un avis pour ne pas continuer à subir ce qui s'est fait depuis trop longtemps. François Bikoro, un visage que tous les Africains, évidemment, connaissent aujourd'hui par ses prises de position, par la percussion de son propos. Et à propos d'ailleurs, aujourd'hui, puisqu'on va parler des enjeux de stabilisation et de déstabilisation, François Bikoro est là pour apporter aussi sa pierre à la construction de cette Afrique. Bonjour François. Bonjour, vous me voyez tout ravi d'être sur la même table avec Louis Michel, qui est un exemple vivant du type de partenariat et de vision stratégique d'une Afrique ouverte vers le monde. Cette Afrique qui doit rencontrer le reste du monde pour construire son développement. Je crois qu'avec la présence de Louis Michel ici, il est évident que ceux qui nous ont vendu le mensonge, la manipulation, une image nauséabonde de notre continent, ceux qui nous vendent à travers le satellite et les câbles, sans payer les impôts ni les taxes, leur modèle inachevé de société de domination et de mépris d'alignation, sont convaincus aujourd'hui qu'on n'a rien contre la race blanche, on n'a rien contre les Occidentaux. Nous voulons simplement que le peuple africain, longtemps confiné à fouiller sa propre poubelle en tant que consommateur, décide de réagir afin qu'aujourd'hui la poubelle soit reléguée à tout le monde, c'est-à-dire ce qu'on a comme excavation. Merci Louis Michel d'avoir accepté de venir pour prouver à la race, à la face du monde que nous sommes ensemble, nous avons le même objectif, celui de l'humanisation, celui de l'humanisme tout court. Bamba Mafumbe. Buenos días. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes un spécialiste des questions de développement aussi et vous êtes évidemment grand reporter au quotidien Le Temps, c'était à Abidjan en Côte d'Ivoire. Es la verdad y hoy estoy aquí para esta cumbre de la Unión Africana y lo que voy a hacer hoy es hablar de la ocupación ilegal de las tierras africanas, las tierras ricas de África para las multinacionales. Y eso contribuye de manera fuerte, clave, a la inseguridad alimentaria, porque esos que están produciendo aquí van a vender eso con un valor más elevado y eso va a hacer que las poblaciones africanas tendrán siempre hambre cuando los europeos están comiendo y se engorde y de vez en cuando hablamos de enfermedades de ricos y hoy no hay hambre aquí porque donde hay sol, donde hay agua, donde hay ricas no es normal. Debemos cambiar la situación que África para hoy de ser este proveedor de materias primas para las fábricas de Europa, ayudar a la población a comer, no tener hambre. Cuando hay hambre, hay inseguridad. Si hay inseguridad, no hay desarrollo. Si hay desarrollo, habrá. No quisiera decir ese nombre que no es interesante. Merci Bamba Mafumbe, voilà le décor est planté, l'Afrique dans la géopolitique mondiale. On va parler des enjeux de stabilisation et surtout les enjeux encore plus visibles de la déstabilisation de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut se définir en tant qu'entité ou son avenir se résout dans un bloc? Je me retourne vers vous, hein, Luc Michel, il faudrait bien le préciser. Vous n'avez pas caché votre affinité avec Kadhafi, avec
Poutine aussi en Russie. Et aujourd'hui, vous déclarez à la face du monde votre sympathie pour son Excellence Obiang Mbasogo. Ma position est assez simple. Moi, je ne me définis pas comme occidental. Je me définis comme un Européen et deux, comme un décolonisateur et quelqu'un qui combat le colonialisme. On doit comprendre quelque chose. Ce qu'on appelle actuellement l'Occident, c'est le bloc américain. Il y a eu d'ailleurs des études sociologiques qui ont été faites il y a une dizaine d'années par des instituts de recherche américains. Et ils avaient essayé de définir l'Occident par un ensemble de valeurs. Et ces valeurs étaient celles du bloc anglo-saxon, en fait. C'est-à-dire l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, le Canada anglophone, pas le Québec. Et on trouvait dedans, et c'est pas un hasard, Israël. Lorsqu'on arrivait dans ce qui est actuellement l'Union européenne, il n'y avait pas ces valeurs occidentales. Pas du tout. Donc l'Occident, pour moi, il faut pas dire les occidentaux, il faut parler de choses réelles qui existent au niveau géopolitique. Il y a l'impérialisme américain et il y a, qui s'exprime au travers d'un bloc militaro-industriel qui est l'OTAN. Qu'est-ce qui fait, pourquoi je dis que l'Afrique seule, ce n'est pas un concept. L'Afrique est un concept dans un théâtre d'action géopolitique mondiale. Qu'est-ce qui fait la puissance américaine depuis 1945 ? C'est le contrôle de la seconde économie puissante au monde, qui est l'économie de l'Europe occidentale. Qu'est-ce qui permet aux Américains d'être une superpuissance ? C'est non seulement la puissance américaine, nord-américaine elle-même, mais le contrôle de la puissance de l'Union européenne. Si vous voulez, pour prendre un corps humain, l'Union européenne, c'est le deuxième poumon des Américains. Ça s'exprime depuis 1944 au travers d'un système de domination coloniale en Europe. Il faut comprendre ça, c'est qu'en 1945, l'Europe est passée du statut de puissance coloniale au statut de colonie. C'est une colonie américaine. Qu'est-ce qui sert à... Une colonie américaine qui a des sous-colonies en Afrique. Vous savez, les Américains sont déjà intelligents. Ils ont une vision de la politique, de la géostratégie, qui est celle des entreprises américaines. Qu'est-ce qui a fait la puissance industrielle américaine ? C'est notamment les théories de Ford sur la division du travail. La division du travail, elle est appliquée au sein de l'OTAN. C'est-à-dire qu'on a spécialisé certains pays dans certains domaines et on les a spécialisés dans des sous-aires géopolitiques. Par exemple, depuis que Sarkozy et Hollande ont totalement réintégré la France dans l'OTAN, aujourd'hui la France est le meilleur allié des Américains. Moi je parle d'un axe Paris-Washington. Bon, depuis que ça existe, par exemple, la France-Afrique, ce n'est plus la rivale des Américains, c'est un outil de pénétration en Afrique, au Mali, dans toute l'ancienne Afrique francophone. Et en échange de ça, les Américains lâchent des morceaux. On permet par exemple toujours à Areva de s'emparer de l'uranium du Niger, mais ce sont des choses secondaires. Si on comprend ça, c'est-à-dire que l'Europe est elle-même une colonie, l'Europe occidentale, on comprend mieux la géopolitique mondiale et on comprend mieux ce qui se passe en Afrique. De toutes les manières, on revient à vous tout à l'heure, Luc Michel. Alors, je m'adresse à Roger Bongos. Quand on écoute Luc Michel parler, on se dit que l'ennemi du monde et surtout l'ennemi de l'Afrique aujourd'hui, c'est... D'abord, les multinationales, c'est la force américaine, c'est ces grandes sociétés occidentales qui viennent avec le seul but de piller, d'arracher, de tout prendre et d'empêcher l'éclosion d'un développement sur place. Vous partagez cet avis ? Bien, certainement, parce que si on regarde la carte africaine aujourd'hui, on peut voir dans cette carte le foyer des tensions.
Alors, ces foyers de tension expliquent bien les choses. À travers cela, on voit aussi l'exploitation de minières ou de minerais. Hein. À travers cela, on met en place une stratégie qui est marquée dans le livre de Brzezinski, que vous connaissez, le grand échiquier. Et il explique bien qui est Brzezinski. Brzezinski, c'est un avocat, un penseur, un idéologue américain qui a travaillé avec plusieurs chefs d'État américains. Il est ancré professeur de droit. C'est lui qui impulse, en fait, il donne l'impulsion pour comment envahir l'Afrique et, bien entendu, mettre la théorie du chaos. Donc, la démocratie par le chaos. Et si on voit réellement ce qui s'est passé en Libye aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire en Libye aujourd'hui, il y a la démocratie, la Libye va vers l'implosion. Donc, on va se retrouver avec trois Libyes. Ça, c'est provoqué. Donc, revoir la nouvelle donne au niveau même le partage de l'Afrique qui date de 1885. Donc, ils veulent revoir tout cela. Comment casser, en fait, le Soudan du Nord et du Sud, il y a Bouja là. Et pourquoi le casser ? Casser, comme par hasard, les jours où l'État du Soudan du Sud s'est mis en place, il y a eu une première ambassade qui s'est mise en place. Laquelle ? Vous devez le savoir, vous le savez aussi, c'est l'Israël. Alors, donc, tout ça, et là, en Soudan du Sud, il y a quoi ? Il y a le pétrole. On fait de la sorte qu'il y a encore une guerre à l'intérieur de ce Soudan du Sud pour également s'accaparer des zones où il y a le pétrole. Pourquoi je parle de cela ? Je parle de cela, je vois les États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis, il y a 480 millions d'habitants. Avec des industries fortes, Ford, etc., aérospatiales, etc., enfin, de leur spatial. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont besoin de l'énergie. Cette énergie-là, il faut le puiser quelque part. Alors, la zone pour récupérer cette énergie, c'est l'Afrique. Alors, on peut tout dire, on peut tout faire si nos États ne sont pas forts. Nos chefs d'État ne sont pas forts, nous allons retrouver avec cette histoire de changer des présidents, d'en enlever celui-là, de remettre un autre, comme ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville avec Lissouba. Quand Lissouba a décidé de ne pas se plier devant Total, Elf, à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé ? On a provoqué une guerre de 6 jours. Cette guerre de 6 jours aura fait 20 000 morts. Et, comme par hasard, Pointe-Noire n'a jamais été touchée. Pendant cette période, Pointe-Noire n'a jamais été touchée. Dans Pointe-Noire, il y a Elf, il y a Total. Donc, on s'est dit, aujourd'hui, pour être fort, il faut qu'il y ait une solidarité, il faut qu'il y ait des hommes forts, comme le discours de président Biangema a pu faire. Il faut que cette solidarité africaine soit réelle. Il ne faut pas que ce soit une solidarité de discours. Et on voit ce qui se passe en RDC, qui est le centre vraiment de l'Afrique centrale. Il y a 18 ans de guerre aujourd'hui. 18 ans avec 8 millions de morts. Je vous dis bien, 8 millions de morts. Avec cela, ça pose des problèmes énormes. Quels problèmes ? Les problèmes, c'est de l'exploitation de minerais de l'Est de la RDC qui compose l'ensemble, l'un tiers de la richesse minière du monde. L'un tiers de la richesse minière du monde. Donc, par définition, il faut créer des troubles dans l'Est. On a essayé de partitionner cette zone de l'Est de la RDC, mais ça n'a pas marché. Qui était derrière cela ? American Freight, la société gérée par la famille de Bill Clinton. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Quand on tient compte de tous ces éléments, on se dit, est-ce que nous, les Africains, nous devions nous liguer contre cette présence d'Africom, comme on dit, l'Africom est là, pas pour sécuriser l'Afrique, mais pour installer leur base. En installant leur base, on crée une zone de sécurité. Vous savez, quand on installe une base, on crée cette zone de sécurité. En créant cette zone de sécurité, personne ne peut s'approcher de cette zone. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Il y a l'exploitation. L'exploitation de nos minerais et que le peuple n'en bénéficie pas. C'est pour ça que, pour terminer, j'ai dit toujours, nos minerais, est-ce que sont-ils une malédiction pour nous ? La question que je pose, la question que vous posez reste valable, puisque je la pose à Virgilio. Est-ce que la malédiction de l'Afrique, c'est d'être trop belle et trop riche ? Moi, je ne trouve pas que être trop belle et trop riche soit malédiction. Et moi, je pense que la malédiction a été les époques après les décolonisations. Parce qu'on n'a pas su
vraiment redresser la situation de nos pays, parce qu'à cause de ça, bon, on parle aujourd'hui de redresser la situation après les, je pense que nous avons fait 50 ans après les colonisations, et donc ça veut dire que le moment aujourd'hui, comme par exemple quand on a parlé hier, la Union africaine qui vient maintenant débattre, il vient maintenant commencer à faire des choses, à mettre sur réseau les bases pour pouvoir dire que bon, oui, bien sûr, on ne va pas passer après à peu près demi-siècle en disant que la colonisation et le colonisateur et l'autre qui a fait. Ce sont les mêmes frères africains qui doivent s'asseoir pour lui. Bon, aujourd'hui, hier était la colonisation. Et après tout ça là, qu'est-ce que nous avons fait? C'est le grand débat. Qu'est-ce que nous avons fait après tout ça là? Il y a eu, je ne sais pas qui a mentionné ça hier, qu'il y a, bon, je pense que le collègue du Sénégal, on a monté l'école pour préparer les cuisinières, on a monté l'école pour faire le menuisier, on a monté l'école. Mais il n'y a pas eu jamais une personne qui dit que bon, oui, bien sûr, chaque société pour se développer a besoin de tout ça là, mais aussi des gens qui s'assoient pour penser, pour dire que bon, oui, c'est moi qui marque le rythme qu'on va faire. Ça n'a été jamais fait. Parce que maintenant, bon, M. Luc, il a bien défini la situation géopolitique de l'Afrique. Nous avons été, pendant 50 ans, après les indépendances, dirigés d'or pour les autres. L'Afrique n'a pas jamais s'asseyé pour dire que moi-même, je suis l'Afrique. C'est moi le propriétaire de richesses. C'est moi le propriétaire du continent plus jeune ou plus beau, je ne sais pas comment. Mais jamais ça a été fait. Il y a été toujours, de toute façon, bon, quelqu'un à New York, à Paris, à Madrid, qui dit, bon, aujourd'hui, le Congo ne peut pas être stable parce qu'on doit déstabiliser. Pourquoi? Parce que les minéraux. S'il y a quelqu'un là qui va penser, il va dire que, oh, mes frères, les gens de la campagne, attendez-vous. Oui, c'est pas tout le monde qui vient là qui est l'or, parce que le monsieur là, il ne peut pas venir faire ça. C'est nous maintenant de débattre, commencer. C'est ça qu'on a dit hier. Il faut toujours faire maintenant une Afrique qui soit capable de gérer les problèmes même. Ça ne veut pas dire qu'il faut renvoyer l'Occident. On ne veut plus voir les gens qui viennent d'Occident. Non. Mais une vraie coordination, ça veut dire que nous sommes là, nous avons les richesses. On s'assoit. Vous avez besoin de ça. Bon, c'est moi le propriétaire. C'est moi qui dois mettre le prix au départ. C'est moi qui dis que, bon, aujourd'hui, j'ai besoin. Par exemple, nous, la Guinée équatoriale, il y avait un moment qu'on ne choisissait pas. Oui, l'Union soviétique qui dit que, bon, je vais donner 20 bourges. Mais les bourges-là, c'est l'Union soviétique qui va choisir sur quoi? Parce qu'on n'avait pas université, on n'avait pas même des écoles à grand niveau. C'est l'Espagne qui dit, bon, moi, je vais former 20 ingénieurs. Et 30 licenciés en sciences éco. Et l'autre là. Et après tout ça là, tout le monde venait avec le grand métier. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas décider. Mais nous sommes des éco. Il y a beaucoup plus de ces gens-là qui sont même dans la campagne maintenant, dans leur village, et sans rien faire. Donc, ça veut dire que maintenant, bon, je pense qu'on va, pendant tout le débat, on va développer tout là-ça, mais il faut seulement savoir qu'on doit signaler quelque chose, le contrôle global de l'Afrique, mais non seulement l'Afrique. Pas seulement l'Afrique, parce que si tu regardes, c'est la même chose qui est en train d'arriver ici, c'est la même chose qu'on a fait maintenant en Russie, parce qu'on dit que c'est la Russie qui est restée là maintenant comme une menace. Ben, il faut détruire, il faut faire quelque chose pour la séparation, et pour ça, l'Ukraine, maintenant, et l'Ukraine voit maintenant, mais c'est déjà tard, parce qu'ils ont mis le désordre, mais quand ça a été avant, c'était bien. Donc, moi je pense que, bon, pour ne pas... On a tout le temps, Virgilio. Oui. En plus que cette émission, c'est une production de l'Union africaine. On vous le dit, chers téléspectateurs, vous êtes 2 milliards sensiblement à nous suivre en direct tous les matins. Et avec nos panélistes ici, on est en train d'élaborer un moyen de construction d'un monde meilleur, pas seulement avec les idées, mais avec du concret aussi, dans des propositions fermes. Alors, Éminence Ipala, quand on a écouté Luc Michel, quand on a écouté Virgilio, quand on a écouté Bongo, est-ce qu'on a envie de dire que finalement
l'Afrique aujourd'hui a besoin d'exister par elle-même, pour suivre un peu le raisonnement de tout à l'heure. Est-ce que les armes de demain doivent se construire maintenant pour l'Afrique d'aujourd'hui? Alors moi, je dirais l'Afrique, c'est pas peu. En fait, l'Afrique doit se redéfinir. Hier, pour le mot de la fin, j'ai terminé en disant que la France a un programme bien défini, qu'ils ont titré l'Afrique et l'avenir. Non, l'Afrique est l'avenir de la France. Et moi, j'ai posé la question qui était à savoir à quand l'Afrique sera l'avenir de l'Afrique. En fait, moi, j'aimerais un peu qu'on revienne en arrière parce que il y a une expression chez nous qui dit un coup de poing qui revient en arrière, ce n'est pas que ça régresse. Au contraire, ça a une force amplifiée. Revenons en arrière. C'est que un flashback s'impose. C'est que il s'est fait des circonstances dont l'Afrique n'a pas du tout mesuré les enjeux. Prenons par exemple la conférence de Berlin qui s'est passée en 1884, au mois de février, et qui s'est terminée en 1885. Non, au mois de novembre 1884, qui s'est terminée au mois de février 1885. Que s'est-il passé? C'est qu'il y a eu des gens, hein, on va dire les Occidentaux, les États-Unis aussi faisaient partie de ce cercle, ils se sont, comment dirais-je, ils se sont permis de définir qui était d'un côté ou de l'autre. C'était extrêmement, c'est plus qu'un viol, je dirais. Prenons l'exemple d'une ethnie qu'on trouve au Congo-Kinshasa, qu'on trouve au Congo-Brazzaville, qu'on trouve jusqu'au Gabon. Ce sont les Bateke. Un peuple qui se retrouve dans trois différents pays. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des conséquences énormes. Ça veut dire que les Bateke qui se trouvent au Gabon ne se sentent absolument pas concernés par rapport aux Bateke qui se trouvent au Congo-Kinshasa ou au Congo-Brazzaville. Ils ont carrément détruit ce qu'était la famille en Afrique. Et moi, quand j'observe ce qui se passe actuellement, je me dis que la conférence de Berlin a eu un impact, est tellement néfaste pour nous en tant que peuple africain, que nous devons revoir, redéfinir nos propres frontières. Ça ne peut pas se faire que des tierces personnes, par rapport à leurs projets, par rapport à leurs avantages, se sont permis de définir les frontières. Yeah. Très régulièrement, des élections du Parlement, par exemple pour la Suisse, je n'ai jamais vu, mais alors jamais vu, des observateurs venir observer si les élections se passent bien. Ça ne se passe uniquement que dans les pays, on va dire, du Sud, surtout en Afrique. Et je me dis, où est l'indépendance? Nous ne sommes toujours pas indépendants. C'est énorme de constater que 119 ans après la conférence de Berlin, l'homme africain n'est toujours pas indépendant. Donc, c'est un système qui perdure, on va dire, beaucoup plus tôt que ça. Au XVIIe siècle, un Américain, Willie Lynch, ou Lynch qui s'écrit L-Y-N-C-H, donc c'est de son nom que le terme lynchage, lyncher, a été inventé. En fait, il a mis un système en place qui consiste tout simplement à diviser pour mieux régner. Il avait une plantation avec des esclaves, il les a observés. Il s'est dit, des esclaves qu'il a achetés, bien sûr, qui venaient épuisés en Afrique, 400 ans d'esclavage dont nous avons subi, tout ça, ça a des conséquences, ça a des séquelles. Nous devons nous redéfinir par rapport à tout ça. On ne peut pas ignorer l'histoire. On ne peut pas voir la vision future si on n'a pas fait un travail sur le passé. Éminence. Tout à fait. Éminence, oui. J'étais en train de me dire non, parce que après le Berlin, Éminence, elle parle de Berlin. Qu'on a fait après Berlin, Paris a dit à Madrid, viens maintenant, on s'assoit ici à Paris, on nous a coupé tout. Ah. Moi je suis fan, ça a resté. Ça, un morceau de fan au Cameroun,
un morceau, bon, la plupart au Cameroun, un morceau de fang au Gabon, un morceau de fang en Guinée équatoriale, un morceau de fang au Congo, un morceau de fang même au Centrafrique. Donc, ça m'a fait vraiment rire, non, quand tu as dit que, bon, la conférence de Berlin, je dis, bon, après Berlin, et Paris a dit à Madrid, viens maintenant. On est déjà fini là, mais maintenant, je vais te montrer comment je vais partager de ton territoire. Donc, finalement, vous parlez tous de la balkanisation de l'Afrique. Exact. C'était bien ce rappel historique. Mais maintenant, il y a eu une nouvelle conférence à Paris, l'histoire bégaye finalement, il y a quelques semaines, sur les enjeux sécuritaires sur le golfe de Guinée, sur le Nigeria, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad. Alors, est-ce qu'on n'a pas l'impression que... j'allais dire l'histoire bégaye, mais que nous aussi, on est assez vulnérables. Est-ce que nous ne sommes pas fragiles aussi parce que nous avons l'incapacité à répondre et à s'adapter au monde aujourd'hui? Après les rappels historiques, que faisons-nous aujourd'hui en 2014? L'histoire bégaye, mais elle ne s'arrête pas. Je crois que le rappel historique nous permet de savoir là où on va. Parce que le vrai de vrai n'est pas d'aller, mais de savoir là où on va. L'Afrique va se réunir à partir de demain au niveau de son leadership. Mais on ne peut pas oublier qu'en 1961, le roi Mohamed VI avait été celui qui a appelé l'Afrique pour la première fois autour d'une table. Et ce jour-là, il y avait les pères fondateurs de l'Afrique, Youssouf Nyerere, Sékou Touré, Nasser, Ferhat Abbas, Modibo Keïta. Je crois qu'ils s'étaient réunis ce jour-là parce que quelques velléités des pays avaient été indépendants après qu'ils aient été saucissonnés. Ils avaient été indépendants, d'autres se battaient pour leur indépendance et ils s'étaient posé la question de l'objectif après que la colonisation se soit arrêtée. Et parmi les objectifs qui s'étaient assignés, il y avait la création d'une organisation supranationale, c'est-à-dire qui regroupe l'ensemble des États, pour continuer à soutenir ceux des États qui devaient être indépendants. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif était de construire une Afrique ensemble, autour d'une solidarité tout à fait agissante. Et le troisième objectif, qui est celui qui nous concerne aujourd'hui, était celui, lorsqu'on aura donc remis l'Afrique entre les mains des Africains, face à sa relation avec le monde, la question fondamentale était, il y avait deux questions, en fait une question double. La première était de retrouver la place, que l'Afrique retrouve sa place. Et lorsqu'elle retrouve sa place, puisqu'elle a eu un retard du fait de l'esclavage, du fait de la colonisation, de l'imprimerie, de l'exportation. Maintenant, est-ce qu'il n'était pas possible que l'Afrique cherche un peu plus de place parce qu'elle a un retard vis-à-vis des autres civilisations? 50 ans après aujourd'hui, on peut donc se poser la question de savoir où en sommes-nous. Et au regard de ce que nous avons dit hier et que nous continuons de dire aujourd'hui, la manipulation de la presse, ce que Louis-Michel a dit tout à l'heure, on constate qu'en face de nous, il y a un peu de fébrilité vis-à-vis de celui qui est l'Occident d'hier, impérialiste, colonialiste, exportateur, acheteur d'esclaves. Mais aujourd'hui, une autre forme s'est mise en place, celle qui est de coloniser nos esprits. Alors, la question est donc simple, Luc Michel, la question est donc simple aujourd'hui. Quels sont les nouveaux enjeux qui interpelle l'Occident vis-à-vis de l'Afrique, et on répondra donc aux nouveaux enjeux qui nous interpellent vis-à-vis de l'Occident. Lorsqu'on voit la déflagration tout à fait exponentielle, au départ on avait la balkanisation, aujourd'hui c'est la déflagration au plan sécuritaire, au plan de la stabilité, au plan des enjeux économiques, au plan des enjeux stratégiques, au plan des enjeux culturels. C'est comme si on veut faire un lavage, un relouage de cerveau complet pour que justement cette histoire que l'on veut passer d'un coup de trait, qu'elle soit complètement balayée du subconscient de l'Africain pour qu'il ne se souvienne d'une seule chose, que c'est sa relation de maître à esclave. Or, c'est donc, nous en appelons aujourd'hui, c'est une renégociation des termes de partenariat, les termes d'échange avec l'Occident, puisqu'on ne peut pas s'en départir. Donc, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, les enjeux se posent, mais il y a d'abord les jeux. Les jeux, c'est ceux de la réunion qui va commencer demain, qui consiste, et nous l'avons dit hier, qu'au lieu d'aller à Paris poser la question de la sécurité en Centrafrique, au lieu d'aller à New York, comme ils vont aller, je crois, dans quelques jours, poser la question de la sécurité alimentaire, qui est en lien avec tous les autres types de sécurité, je crois que c'est en Afrique, comme en 1961 à Casablanca, comme en 1963 quand on crée l'OUA, je crois qu'entre-temps l'OUA a fait des mutations qui nous donne des velléités de vouloir justement se repositionner. On est parti de l'Union, de l'Organisation de l'Unité Africaine. On est maintenant à l'Union Africaine.
dans le subconscient des nouveaux enjeux d'aujourd'hui, on pense que certainement on veut renégocier une nouvelle place, un peu plus de place. Donc il n'est pas normal, mais il n'est pas interdit. Il n'est pas normal que pour des questions de sécurité en Afrique, pour des questions de développement en Afrique, que l'on soit obligé d'aller à Paris, alors que Paris peut bien venir, puisque nous sommes des partenaires. Ici en Afrique, il y aura une réunion ici demain pour venir parler en tant que partenaire d'un certain nombre de questions. Parce que justement, nous pensons que l'Afrique est capable de négocier, l'Afrique est capable de poser la base de son développement, mais surtout de poser la problématique de sa sécurité. Bamba Manfoumbe, vous rebondissez sur cette question. Est-ce qu'on peut négocier, est-ce qu'on peut aller à la table des négociations quand on est faible, quand on a les diamants dans la poche, mais que le ventre est vide, quand on n'est pas fort? Est-ce que vous y croyez, sans un peu de fatalisme? Oui, j'y crois. Après, je vais revenir en espagnol. Vous voyez, on dit, mais pourquoi les Africains ont faim? Les Africains ont faim parce qu'ils produisent ce qu'ils ne mangent pas. On nous a habitués par le passé à produire du cacao, à produire du café, des levéas, à abattre le bois pour aller alimenter les usines en Occident. Et aujourd'hui, il y a l'arme alimentaire. Ils sont en Afrique. Ils sont en train de s'accaparer de toutes les terres fertiles. Que ce soit au Sénégal, on parle de 610 000 hectares qui ont été vendus à des Occidentaux. Mais qui vend? C'est les Africains qui vendent à des multinationales. Chez moi, en Côte d'Ivoire, il est question de vendre, ça a été vendu, 150 000 hectares à Louis-Dreyfus Commodities, pour ne pas le citer. On nous dit qu'on va nous faire 35 à 30 milliards d'investissements. 35 à 30 milliards d'investissements dans le nord pour produire du riz, passer la production ivoirienne à 400 000 tonnes. Or, dans notre pays, on met dans l'exportation du riz, l'importation du moins du riz, près de 228 millions de tonnes, quand le DUSU, le cacao brut qu'on envoie, rapporte 250 millions. Faites la différence. On est déficitaire. Déficitaire. Et aujourd'hui, ça continue. Aller au Bénin, ça existe. Oh, au Brésil, il y a quelques années, au Brésil, on avait condamné cette histoire d'accaparement des terres. Qu'est-ce qui se passe? On va aller peut-être avec nos peut-être barils de pétrole, nos sacs de cacao, nos sacs de café, pour aller discuter avec eux. Quand on n'a pas sur place la possibilité de le transformer, on ne se donne pas le moyen de le faire. Je vous disais hier, je vous parlais, c'était le cas de ce ministre ivoirien qui allait au Ghana voir le voisin. Le temps d'arriver aux États-Unis, on lui sort un papier, un article pour lui, voici. Et là, vous interpellez finalement, on va revenir vers vous dans quelques instants, vous interpellez les dirigeants africains, nous les interpellons aussi. Si vous êtes à l'écoute, évidemment, c'est peut-être pas un droit, mais un devoir, n'ayez plus peur. L'Afrique aujourd'hui, les populations africaines, la jeunesse africaine, par la voix surtout de l'opinion nationale publique africaine aujourd'hui, demande aux chefs d'État africains de prendre leurs responsabilités. Alors Luc, Michel, on revient vers vous. Vous avez commencé par définir les enjeux de déstabilisation par une approche globalisante, c'est-à-dire la constitution d'un bloc impérial américain avec pour vassal l'Europe, qui, par dérogation, continue d'avoir la même mise sur les colonies d'hier, sur le continent. Mais pour vous aujourd'hui, est-ce que vous croyez que l'Afrique a quand même toutes ses chances et quelle peut être l'issue de sortie? Moi, je pense qu'il faut partir du départ. Tout ce qui se passe, l'agroalimentaire, la question des richesses minières, la question du pétrole, ce sont des conséquences. L'enjeu fondamental, c'est quoi? Ce n'est pas un enjeu africain. C'est un enjeu pour les Africains, les Européens, les Russes, pour l'Amérique latine. C'est savoir si on est un acteur ou un sujet de l'histoire. On a utilisé mon ami Roger Bongos ici, il a parlé de Brzezinski et de son grand échiquier. Le grand échiquier, c'est quoi? C'est 2-3 joueurs, les États-Unis, la Chine, les Russes qui, avec Poutine, sont redevenus acteurs de l'histoire. Il y a ceux qui connaissent le jeu d'échecs me suivront. Il y a quelques cavaliers sur cet échiquier, la France, la Grande-Bretagne, l'Iran, par exemple, il y a quelques puissances qui essayent d'émerger, et tout le reste, ce sont des pions. La totalité actuellement de l'Afrique, c'est un pion sur le grand échiquier.
Quel est le but fondamental actuellement de la politique mondiale? C'est ça qu'il faut comprendre, qui est dominée par la superpuissance américaine. Ben, il l'exprime très bien. L'acte fondateur de la politique américaine moderne, il est écrit en 1943 par un théoricien qui s'appelle James Burnham. C'est l'ancêtre des néoconservateurs. Il écrit un livre qui s'appelle « Pour la domination mondiale ». En 1943, je vous rappelle qu'il soit à ce moment-là allié de l'Union soviétique contre le Japon et les nazis, ils définissent déjà ce qui va être la guerre froide, c'est-à-dire la réduction de la puissance soviétique. Tout, il y a des géopoliticiens américains, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la géopolitique, elle n'existe pas dans le vide. La géopolitique, elle est vue de quelque part. Il y a une géopolitique vue de l'Eurasie, vue de Moscou, ou vue de Malabo pour l'Afrique, mais il y a une géopolitique américaine, vue de Washington, avec notamment le fameux Institut Stratford, dont tout le monde a entendu parler, qui vulgarise la géopolitique. C'est le lobby qui représente le lobby militari-industriel américain, avec George Friedman, qui écrit beaucoup de livres. Il y a les néoconservateurs dont on a parlé au moment de l'époque de Bush et qui reviennent dans l'actualité. Qu'est-ce que tous ces gens disent? Nous voulons que les États-Unis dominent le 21e siècle. Ils l'ont écrit pour un 21e siècle américain. Eux sont les acteurs de l'histoire. Nous, quand je dis nous, ce sont les Africains, ce sont les Européens de l'Ouest. Nous sommes des sujets. Nous sommes des pions que l'on déplace. Est-ce que ce n'est pas un moyen de dédouaner l'Europe aussi, l'Europe de l'Ouest, la France, la Belgique, qui pille le Congo? Est-ce que c'est les États-Unis directement qui... Je vais vous parler franchement. Parlons franchement. Je l'ai dit dans un débat à Berlin il y a quelques semaines. J'ai dit que les Africains ne méritaient pas ce qui leur arrivait comme ça, mais qu'une grande partie des Européens de l'Ouest avaient les dirigeants qu'ils méritaient, parce qu'ils continuent à les élire. Je ne dédouane personne, mais il faut comprendre quelque chose. Il y a des peuples, il y a des oligarchies. J'ai eu un débat, je m'excuse de faire cette digression, mais il est parlant. J'ai eu une fois, il y a longtemps, au temps de la Jamaïria, j'ai eu un débat avec des Africains à Tripoli, dans un congrès du mouvement des comités révolutionnaires, et nous avons parlé du roi Léopold, du Congo, de ce colonialisme qui a été le plus sanglant en Afrique. Et je leur ai dit, eux me disaient, oui, mais les Belges doivent demander pardon, etc. Je leur ai dit, au moment où vous étiez exploités et massacrés, les ouvriers en Belgique étaient exploités et massacrés par la même oligarchie. Les officiers qui ont fait ce colonialisme immonde, les mains coupées, la guerre du caoutchouc, etc., c'est les officiers qui avaient tiré sur les ouvriers. On a tiré à la mitrailleuse en 1866, à Charleroi, à Liège, dans toutes les grandes villes industrielles de Wallonie. Voilà ce qui s'est passé. Les peuples ne sont pas les systèmes oligarchiques. Je ne dédouane pas la Belgique. La façon dont la Belgique s'est comportée, se comporte encore en République du Congo, au Rwanda ou au Burundi, elle est scandaleuse. Ils ont des responsabilités très lourdes dans le génocide. Mais la question n'est pas là. La question est ce qu'est actuellement dans l'organisation, parce que c'est une organisation, de l'impérialisme américain au cours de l'OTAN, les Européens, ce sont ce qu'on pourrait appeler des porteurs de valises ou des sous-traitants. Ce sont des gens qui interviennent. On leur attribue une zone d'expansion géographique et on leur laisse, à côté de ça, leurs petits pillages, leurs petites affaires économiques. Voilà. Mais on n'est plus dans des puissances européennes qui sont actrices de l'histoire. Notre ami Éminence ici a parlé du congrès de Berlin. Le congrès de Berlin, c'est une affaire européenne à ce moment-là, parce que c'est l'Europe qui domine le monde. La domination de l'Europe sur le monde, elle se termine entre août 1914 et mai 1945. À la fin de ce cycle historique, en mai 1945, c'est l'Amérique qui domine en Europe. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas. Il ne faut pas avoir du ressentiment. Il ne faut pas aller voir, il faut connaître l'histoire. J'ajoute qu'il ne faut pas pardonner. Il ne faut pas pardonner aux Saxe-Cobourg-Gotha qui sont toujours à la tête de la Belgique. Il ne faut pas pardonner, mais il faut comprendre.
il y a des cycles historiques. La géopolitique, elle se définit suivant des cycles. Il y a des cycles courts, il y a des cycles longs. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On peut, vous savez, le général de Gaulle, il parlait à propos de l'Europe, il disait, on peut dire l'Europe, l'Europe, faire des sauts de cabri, c'est pas ça qui l'amènera. Je dis la même chose de l'Afrique. On peut dire l'Afrique, l'Afrique, tous les jours, mais on n'arrivera à rien. Il faut un plan d'action pour l'Afrique. Pourquoi a-t-on débouché sur l'Union africaine? Parce qu'il y a un homme qui l'a porté à bout de bras, qui l'a payé de sa vie, c'est le colonel Kadhafi. C'est lui qui a donné l'impulsion. Sans quoi, on serait toujours à... Non pas cette Union africaine qui malheureusement s'est arrêtée, pour moi, au milieu du chemin, mais on en serait simplement encore à une union d'États. Donc il faut comprendre ça. Maintenant la grande différenciation de tout ça, il faut aussi aller voir ce que les autres pensent. Il y a une maxime, le grand géopolitologue allemand, le général Haushofer, il disait « c'est un honneur de se faire enseigner par l'adversaire ». Moi, je lis tous les jours les géopoliticiens américains, j'apprends beaucoup de choses avec eux. Si vous vous contentez de lire les écrits qui vous satisfont, parce que ce sont les vôtres qui les ont écrits, vous n'avancez pas. Il y a une vaste littérature américaine, elle vise clairement à, ils le disent, la domination mondiale. On arrive là véritablement au cœur de la géopolitique, c'est-à-dire que la géopolitique, c'est une science pour moi. Moi, je me définis comme un géopoliticien et pas un géopolitologue. Un géopolitologue qui commente les livres. Moi, je crée des concepts. J'ai, par exemple, avec mon école géopolitique, j'étais très jeune, en 1986, nous avons réactivé le fameux eurasisme qui sert maintenant, qui est la base de cette espèce de seconde Europe que Poutine est en train de construire à l'Est. Bon. Que dit la géopolitique? À quoi vise-t-elle? Parce qu'on met la géopolitique pour le moment à toutes les sauces. Il y a des gens qui n'y comprennent rien, mais ils mettent dans un titre, ça fait bien ou ça fait intellectuel, mais c'est pas ça. La géopolitique, c'est quoi? C'est une science qui vise à garantir des États viables. Quelle est la clé de la géopolitique? C'est la dimension. La dimension, c'est la puissance. La puissance, c'est la liberté. Qui est un acteur de l'histoire et qui est libre? Quelques États puissants. Le problème de la géopolitique, c'est qu'elle n'est pas fixe. La géopolitique, on a des cycles géopolitiques depuis l'Empire romain. Le premier grand conflit géopolitique de l'histoire, c'est Rome contre Carthage. Les Européens ont oublié ça parce qu'on n'enseigne plus l'histoire. Les Africains connaissent ça, parce que vous avez encore des cours d'histoire à l'ancienne. Rome contre Carthage, c'est le premier grand conflit. Et puis, tout autour de l'histoire, on a des conflits comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que les États viables indépendants, ils doivent être de plus en plus grands. Au début, dans la Grèce antique, ce sont des cités. Les cités font place aux royaumes. Les royaumes font place aux empires. Et on ne va pas faire tout le cycle historique, il faudrait disait. Le temps ne nous le permettrait d'ailleurs pas. Voilà, on en arrive à l'époque moderne. À l'époque moderne, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a une réflexion de géopoliticiens en Europe et en Afrique pour définir des États redevenus indépendants. C'est le pan-européisme et le pan-africanisme. C'est... En Europe occidentale, le processus qui va donner la communauté économique européenne, puis l'Union européenne, c'est-à-dire qu'à l'époque, un État, un groupe d'États, comme l'Union européenne, pouvait être indépendant. Et en Afrique, c'était la grande idée notamment de Nasser, un groupe d'États africains unis pouvait être indépendant. Il y avait la même idée, le panafricanisme, si les Africains, les Arabes s'étaient unis, ils pouvaient être indépendants. Mais là, on est en 1960. En 1980, c'est déjà fini. Les géopoliticiens, et moi je commence à travailler à cette époque-là, il y a des gens comme le général von Lausen, qui est un géopoliticien autrichien, on commence, il a écrit un livre, lui explique, il dit « Pensez en continent, Denken in Continenten ». Qu'est-ce qu'il dit? C'est fini les groupes d'États. La façon d'être indépendant des Américains, puisque eux sont la superpuissance, ce sont des États continentaux. Ça, c'est 1980-1990. C'est la réflexion de Kadhafi. Kadhafi, en fait, réfléchit sur cette géopolitique des continents et il dit qu'il faut un continent africain uni. Et, j'ajoute, puisque je suis dans cette ligne-là aussi, il dit
Le panafricanisme doit s'unir au paneuropéisme pour se dégager des Américains. Et la Méditerranée doit être le point de rencontre. Ça doit redevenir la mer commune, la Mare Nostrum des Romains. Ça, c'était il y a 20 ans. Moi, je constate simplement, les géopoliticiens américains, ils n'écrivent pas pour 1990. Ils ne vont pas voir en arrière. Ils écrivent pour 2050. George Friedman, par exemple, a fait un livre. Ce sont les 100 prochaines années. Donc moi, ma vision géopolitique, elle est fixée sur 2050. En 2050, qu'est-ce qui va exister? C'est clair et net. Il va exister un bloc américain qui va probablement absorber le Mexique, peut-être plus loin encore. Ce sont des processus qui sont en route. Il l'évoque ouvertement. Quelqu'un comme Friedman dit le Mexique. Donc il y aura un gros bloc nord-américain. Il parle aussi d'absorber le Canada. Il y a des projets aussi là-dessus. Et à côté de ça, il y aura une grande puissance chinoise, avec certainement entre 1,5 milliard et 2 milliards d'habitants. La dimension, c'est aussi la population. Quand les Occidentaux, les Américains, etc., les Anglo-Saxons, viennent vous dire en Afrique, ne faites plus d'enfants, c'est aussi une façon d'empêcher une puissance africaine. Face à ça, comment rester acteur de l'histoire? Il faut un bloc géopolitique qui puisse faire le contrepoids. Ce n'est plus l'Afrique seule, ce n'est pas l'Eurasie, même ayant englobé l'Union occidentale. C'est un concept géopolitique nouveau dont je parle depuis une année, c'est l'axe Eurasie-Afrique. C'est un bloc continental intégré autour, parce qu'il faut des pivots, et je termine là-dessus, autour de trois capitales pour moi qui sont Moscou, qui sont Malabo. Pourquoi Malabo? Parce qu'il n'y a qu'ici qu'on essaye de renouveler la pensée panafricaniste dans la ligne de celle du colonel Kadhafi, c'est-à-dire de faire une puissance supranationale. Et la troisième capitale, c'est Téhéran, parce que c'est la grande puissance qui émerge au Moyen-Orient actuellement. Si nous arrivons à faire ce bloc, qui doit être un bloc égalitaire, il faut oublier l'ancien colonialisme. Si les Africains doivent faire des affaires, doivent s'unir politiquement aux Européens ou aux Russes, ça doit être sur des relations totalement égalitaires. Il faut être bien clair là-dessus. Avec des mécanismes de populations qui peuvent se déplacer, etc. Nous resterons acteurs de l'histoire. Si nous ne faisons pas ça, et je sais que certains panafricains sont choqués. J'ai eu des débats sur Afrique Média. On m'a dit, oui, mais non, l'Afrique toute seule. Non, l'Afrique toute seule, dans 30 ou 40 ans, n'existera plus. Luc Michel, merci de votre intervention. On va rebondir là-dessus dans quelques instants. Je vous rappelle simplement que nous sommes en direct de Malabo sur un plateau spécial de l'Union africaine pour ce 23e sommet qui s'ouvre demain avec les chefs d'État qui arrivent déjà. À l'occasion d'ailleurs, nous allons faire une petite transition et on revient dans quelques secondes. Bonjour l'Afrique. La República de Guinea Ecuatorial albergará del 20 al 27 del presente mes de junio los trabajos de la 23ª cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. Para esta importante cita política que congregará en Malabo a dirigentes de todos los países africanos, mandatarios e invitados de otros continentes, el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha creado un comité especial encargado de organizar con éxito este evento panafricano. Toda la información relacionada con esa cumbre está recopilada en una guía que recoge los puntos de contactos, los servicios de protocolo, la reserva de hotel, los servicios de transportes, acreditaciones y prensa, las formalidades de visado, la sanidad en Guinea Ecuatorial, las llegadas al Aeropuerto Internacional de Malabo y los actos oficiales programados. Los trabajos de la cumbre se desarrollarán en el Centro de Conferencias Internacionales de Sipopo. Thank you.
Retour sur ce plateau spécial Union africaine, ici en direct de la capitale de la Nouvelle-Afrique, en direct de Malabo. On a écouté nos panélistes. Je vous rappelle que, évidemment, nous parlons aujourd'hui de la place de l'Afrique dans la géopolitique mondiale avec les enjeux de stabilisation et de déstabilisation. Et François Bikoro parlait tout à l'heure des jeux. Alors, je me retourne vers vous, hein, Roger Bongos. Quand on a écouté Luc Michel qui parle de créer une sorte de, d'un bloc eurasiatique africain, et que deviennent les BRIC? Alors, Brésil, Russie, Inde, bien sûr. Alors les BRICS, il faut prendre aussi ça comme un modèle, hein, parce qu'ils sont sortis de ce carcan qu'on appelle le Fonds monétaire international et Banque mondiale, hein, là où il y a des prédateurs qui veulent s'accaparer la richesse du monde, de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique. Alors les BRICS mener une pulsion aujourd'hui en Afrique, ça devient un modèle économique, modèle politique, parce que il y a la Russie à l'intérieur. Alors quand on parle, quand Luc Michel parle de ce bloc Eurasie Afrique et que ça partirait d'ici à Malabo, c'est vrai que je pose un tout petit peu un bémol là-dessus. Pourquoi ? On se souvient de quelque chose qui s'est passé en Afrique. J'avais dit au départ de mon propos qu'il faut un panafricanisme vraiment important par rapport à ce qui se passe en Afrique. Il faut que nous soyons conscients de ce que nous avons, nous détenons comme une richesse. Une richesse culturelle, une richesse ancestrale, une richesse aussi de nos sous-sols. Alors il s'avère que... L'un de nos a trahi cette richesse idéologique. C'était le président, pour ne pas citer ce nom, Abdouad, qui a livré Laurent Gbagbo, qui a livré également Kadhafi. Alors, si le président Obiang Nguema a cette stature de panafricaniste, mais doit aussi être entouré de gens qui ont la même vision que lui. Sinon, on va se retrouver avec, autour de cette dynamique, des traîtres qui vont, bien entendu, fouler au pied cette démarche. C'est pour cela que la seule chose que nous pensons, parce que quand on regarde l'Afrique, c'est un vivier, à la fois, comme je disais, on n'a pas besoin aujourd'hui de regarder simplement nos richesses. On a besoin d'observer, en fait, la démographie de ces populations. Ces populations où il y a une mixité extraordinaire, où aussi il y a des richesses extraordinaires. Nous serions 2 milliards en 2050. Donc, par définition, il faut des stratégies. Luc Michel disait tout à l'heure, quand Josh Friedman réfléchit sur une centaine d'années. Donc, nous réfléchissons sur le prochain jour, nous réfléchissons sur le prochain mois, parce que nous n'avons pas une vision. Pourquoi nous n'avons pas de vision? On nous impose des visions. Ma consoeur qui est à mes côtés, Éminence, disait « La France a pondu deux documents essentiels. » Quels sont ces documents? Il y a deux rapports qui sont arrivés sur la table du président de la République, François Hollande. Premier rapport, ça vient des Insous, Bokel, qui est l'ancien ministre de la coopération. Ces ministres de la coopération, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont ramené une pulsion avec quatre propositions pour l'Afrique. Ces quatre propositions montrent clairement qu'on veut remarcher sur l'Afrique. Comment remarcher sur l'Afrique? En mettant ces principes, ces préceptes qui est aussi ravageux et ravageur, si on veut, de partenariat, de gagnant-gagnant, okay, voilà, nous sommes des partenaires équilibrés. Or, si on regarde ce qui se passe, ce n'est pas le principe de gagnant-gagnant. Donc, c'est le premier rapport que l'Afrique est l'avenir de la France. Deuxième rapport avec 15 propositions. Ce deuxième rapport, ça vient d'un homme qui est extrêmement habile, qui est Hubert Védrine. L'ancien ministre des Affaires étrangères, a expliqué clairement, pendant les 15 propositions, comment récoloniser, entre guillemets, l'Afrique. Donc, alors, quand je vois derrière ça, il y a 65 000 entreprises françaises en Afrique. Avec ces 65 000 entreprises françaises, on s'aperçoit d'une seule chose, il y a une très grande entreprise qui est en train de récupérer, par rapport à la stratégie d'occuper le terrain, le port, qui est Bolloré. On peut observer
quand on commence en Côte d'Ivoire, on voit toujours quand Bolloré arrive quelque part, il y a la guerre, se met derrière lui. Il arrive en Côte d'Ivoire, il récupère le port de San Pedro. On veut le contraindre. Je pense que mon ami qui est là, il pourra bien l'expliquer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? En eau profonde, qu'est-ce qu'il fait ? On provoque la guerre pour pouvoir, bien entendu, installer le principe. Quel est le principe ? Récupérer, pomper l'essence offshore, et également mettre des systèmes pour que le contrôle, faire sortir le minerai, le contrôle par la voie fluviale. On va à Matadi, à Boma et à Mwanda, on récupère les trois ports par Bolloré. On part au Congo-Brazzaville, on récupère également le port autonome de Pointe-Noire. Au Cameroun, Guinée-Conakry, chez notre ami Akonde. Alors, tout cela, c'est la stratégie pour pouvoir récupérer ces zones. Enfin, le jour où il y aura un débarquement, un vrai débarquement en Afrique, on pourra bien entendu limiter, comme on dit, les naissances et aussi notre démographie. Tuer pour, bien entendu, contrôler le peuple. Appauvrir alimentairement le peuple pour contrôler ses naissances. Et c'est pour cela que Monsanto se met en place pour mettre ses stratégies de l'OGM. Vous savez qu'est-ce que c'est ? Ça produit comme effet des OGM, ça produit des effets où ça va ramener la stérilité au niveau de famille, au niveau de nos terres qui sont arabes, et bien entendu, on va appauvrir l'Afrique. Alors, il faut tenir compte de ces éléments-là. La stratégie que mon ami a avancée ici, il faut le combiner avec cette vision où on doit, quand je regarde, on achète nos terres à nous, plus d'un tiers qui est vendu maintenant aux Chinois, qui est vendu une partie aux Américains du Sud, qui sont là aussi, l'Amérique du Nord aussi, la France récupère une bonne partie. C'est pourquoi ? C'est pour fabriquer de l'huile, au lieu de fabriquer de la nourriture, produire leur énergie, pour comprendre une seule chose, que l'Afrique sera une terre européenne pour leur expérimentation, pour leur productivité, parce qu'on voit avec la crise des subprimes qui a coûté des milliards par rapport à leurs actions toxiques, il faut récupérer l'argent quelque part. Or, l'argent-là se trouve en Afrique. Quand je dis l'argent, c'est-à-dire les ressources se retrouvent en Afrique. Je donne un exemple, un dernier exemple pour terminer. Les ressources qui ont été calculées par rapport à la RDC aujourd'hui, que la RDC vit 20 années de guerre. Les ressources de la RDC qui ont été étudiées par 4 journalistes et en corrélation avec de députés anglais, et s'évaluer de 24 000 milliards de dollars. Vous croyez qu'on va vous laisser avec ces 24 000 milliards comme ça, se reposer sur cela? Donc, il faut des stratégies d'occuper le terrain, stratégies de neutraliser des peuples, tuer pour récupérer à la fois au nord de la RDC, là où il y a le bassin du Congo. On va détourner, croyez-moi, on va détourner le fleuve Ubangi pour que ça monte, irriguer le Tchad. Tchad paiera aux États-Unis des redevances par rapport à cette eau. Donc, votre eau à vous est utilisée par d'autres personnes et on va créer comme le canal de Suez, de le ramener de l'eau jusqu'aux États-Unis. Pour vous montrer simplement que la richesse qui appartient aux Africains appartient virtuellement aux Africains, mais en réalité, il faut cet effort que le président Obiang a lancé comme impulsion, que le peuple africain puisse se réveiller, se retrouver dans cette dynamique de dire que, ok, on va dire non maintenant par rapport à cela. Il y a, pour terminer, il y a 85 sociétés des prédateurs de multinationales en Afrique. Je peux le répartir, on va le répartir tout à l'heure. 85 multinationales qui sévissent en Afrique. Alors, faut le faire. Alors, Roger Bongos, votre engagement nous interpelle. Et là, je suis à côté de Virgilio, qui m'accompagne aussi dans ce programme. On était en train de se dire, finalement, qu'on a cité la fragilité de l'Afrique aussi. On a parlé de la limitation des naissances qu'on voulait imposer aux Africains. Je n'ai pas envie de citer le tristement célèbre Pen qui disait encore que l'Ebola seul suffirait à réguler la population. Monseigneur Ebola. Voilà, Monseigneur Ebola, avec toute la noblesse. Est-ce qu'on sent un peu une manipulation ? Mais au-delà, Virgilio, pourquoi nous sommes si fragiles aussi ? Est-ce que ça vient aussi de nous un peu ? Oui, vous allez me permettre maintenant de m'exprimer en espagnol. Parce que, yo creo sinceramente que somos frágiles por muchas cosas que pueden ser simples.
Está claro que vamos a hablar de politólogos, vamos a hablar de la geopolítica, vamos a hacer también otras muchas teorías. Pero sinceramente, ayer hablamos de el hambre como una base. Porque la persona que tiene el estómago lleno no va a la guerra. África no conoce el valor de las materias primas desde el inicio. Yo creo que ahora es cuando África ya empieza a saber qué es el oro, qué es el manganeso, qué es ni el petróleo. En mi país se conoce la historia del petróleo desde 1964, en función de lo que yo tengo. Creo que el primer país, la primera empresa que hizo aquí exploraciones en ese momento fue Chevron. Chevron vino aquí, Chevron descubrió el petróleo, pero en aquellos momentos pues nosotros no estábamos en condiciones de saber qué era el petróleo. En aquellos momentos también nos dijeron ir a la iglesia a rezar, porque eso es lo que os va a hacer libres y cuando os vais a morir, pues os iréis al cielo, seréis más ricos más allá. Esto es lo que se nos enseñó. Ahora mismo, yo lo que tengo que señalar sinceramente es que África está dando unos pasos que ilusionan. Solo hace falta que coincida lo que los jefes de Estado realmente han puesto sobre la mesa con las acciones concretas que lo van a llevar a cabo para la materialización de esto. África siente hambre sentado encima de la comida. Es una contradicción decirlo así. Sentimos hambre, pero somos propietarios de la inmensa mayoría de la comida que existe en el mundo. Es contradictorio. En nuestros territorios la gente está alimentándose de lo que se trae de otras partes del mundo. Hay pollo que viene después de 5 meses o 1 año dentro de contenedores viajando a África y llega aquí y es lo que estamos comiendo. En el momento de la verdad, la población está enferma. ¿Qué es lo que tiene la población? No, es que resulta que falta vitamina, falta, pero es que estamos rodeados de bosque. Estamos rodeados de tierras fértiles donde el caso, por ejemplo, de mi país. Muchas veces nos preguntamos, vamos a ver, ¿por qué nuestros abuelos, que no tenían las condiciones médicas que teníamos ahora, estos no tenían internet? Nuestros abuelos no sabían exactamente lo que era un ordenador, que por tanto no sabían ni lo que era el petróleo, se morían a los 100 y pico de años. ¿Nosotros ahora qué somos? Primero, hemos ido a Occidente, tenemos seguro médico en Occidente, tenemos aquí en Guinea Ecuatorial pues unos hospitales donde tú puedes llegar y todo está brillante en África, pero ¿por qué nos morimos a los 50 y poco, a los 60 y poco, ya somos demasiado viejos? Una pregunta. Y un día yo contesté a alguien, precisamente por la comida. Nuestros abuelos se alimentaban directamente del bosque y ellos tenían todas las vitaminas, tenían todo lo que necesitaban en el cuerpo, por eso sobrevivían a esto. Nosotros necesitamos comida y alimentos en África. El africano no puede negociar si siente hambre. Ya se dirá después la soberanía, la gente quiere dominar y lo demás, el poder, pero sí, todo esto proviene de la comida. Yo estoy muy contento de saber que, bueno, de alguna manera los jefes de Estado, si realmente han pensado en hacer algo para la seguridad alimentaria en África, yo puedo tener comida y decirte, bueno, vamos a ver, ¿tú quieres negociar sobre el oro? Bueno, yo, como no me hace falta el oro para comer, porque yo tengo mi comida, tú verás, tú eres quien necesita el oro. En esas condiciones puede negociar África, con el estómago lleno. Yo creo que la seguridad alimentaria, que es lo que han puesto como tema para la celebración del evento, que bueno, ya estamos en medio del evento, solamente quiero que si realmente las personas que tienen que decidir comprenden lo que estamos diciendo, hay que empezar de alguna manera desde ahí. Hay una carta africana sobre derechos, sobre democracia, elecciones, la buena gobernabilidad que se ha hecho. Es un documento también importante, que es otro de los pilares que tenemos que poner en marcha para que África realmente pueda tomar el destino en sus manos. Hemos dicho, yo no quiero el modelo shock, es decir, vamos a ir contra Occidente y nos estrellamos contra el muro, no. Pero si primero yo tengo el estómago lleno, yo puedo tener la cabeza para pensar mejor. Pero si siento hambre, yo no puedo saber pensar bien, lo dijimos ayer. Cuando tú vas a negociar y después sientes hambre, lo más probable es que vas a tener las ganas de firmar rápido para que te den lo que te quieren dar para comer. Pero si vas a negociar y realmente estás bien, yo me he bañado bien, he comido bien y estoy bien en mi casa. Si mis niños han ido al colegio bien, yo tengo la cabeza tranquila para pensar y para negociar bien. África no puede negociar con el hambre. Si África trabaja realmente, tenemos tierras, tenemos una colaboración. Como lo ha dicho el señor Luke también,
Creando el bloque este, no matamos a nadie. Pero el bloque va a ayudar para que las personas sepan hacer planes conjuntos que permitan más tarde a África decir, bueno, yo también puedo decir, ah, no será de golpe que África de pronto ya es también, bueno, como Estados Unidos y que ya podemos decir Estados Unidos baja o los... No. Pero poco a poco, porque la historia va cambiando poco a poco. Pero hay que primero poner el primer pie, el mecanismo. La alimentación es importante para mí que se asegure primero la alimentación. Si no tengo la alimentación, voy a ir a buscarla en otra parte. Nosotros tenemos, ahora mismo, yo estoy dando ejemplos desde hace tiempo, he viajado a China y más o menos en 14 días y tal, estuvimos ahí viendo el modelo chino. ¿Qué ha hecho China? China se ha encerrado, ha creado su modelo dentro. Ahora, cuando se abre, ¿por qué? Ha recuperado sus cerebros de fuera, les han dicho, esto es lo que tenemos, esta es la población que tenemos. Este modelo, que es el modelo occidental, no podemos implantarlo aquí, porque vamos a tener guerras todos los días. Los chinos son más de la mitad de lo que puedes encontrar en todas las partes. Han creado este modelo, y este modelo vale para China. Si hay un modelo que vale para África, tenemos que crear este modelo para que valga para nosotros. Ahora, cuando China va afuera, bueno, me lo recuerdo como una anécdota. El profesor empieza a hablar a definirnos el sistema económico de ellos, chino, hace un mes. Cuando termina de hablar, yo levanto la mano, le pregunto, señor, usted me acaba de definir el capitalismo. Me dice, no, no es capitalismo. Es comunismo de mercado. Es comunismo de mercado. ¿Me entiende? Ahora, ese concepto no está definido en la historia económica. ¿Me entiende? Pero es un modelo chino que le vale a China. Lo que África tiene que hacer es exactamente esto. Nuestro modelo tiene que existir. Que sea inferior, que sea mediano, que sea tal, pero que sea nuestro, construido por los africanos. Es lo que exactamente estamos hablando. Virgilio, merci. J'ai cru comprendre, j'ai cru percevoir qu'on parlait finalement d'aller à la table des négociations, que nous soyons déjà humains et humanisés, ou que nous ayons la noblesse. Une dignité retrouvée, c'est-à-dire par des gens qui mangent, qui se soignent, qui vont à l'école, qui ont accès à des commodités. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde aussi, je sais que le continent est en train de bouger, les choses se font, mais est-ce qu'on a pensé d'abord à la population africaine, à la jeunesse africaine, aux femmes, aux enfants qui parfois manquent de tout? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a envie d'aller débattre ou qu'on peut porter sa voix quand on a encore des problèmes élémentaires, pour ne pas dire alimentaires? Alors, le cas est grave, c'est qu'après un constat sur le point de vue géostratégique, c'est qu'on constate effectivement que l'école coloniale n'a pas formé les Africains pour comprendre les enjeux. Il y a plusieurs techniques qui ont été mises en place. J'en ai évoqué un tout à l'heure, Willie Lynch, qui est un modèle, au fait, qui perdure sur tous les domaines. Diviser pour mieux régner. On peut diviser une famille de plusieurs façons. L'Afrique s'est fait envahir, pas seulement géographiquement, pas seulement économiquement, ou bien pas seulement culturellement, idéologiquement, mais également la spiritualité a joué un très 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 grand rôle. Alors là, qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est vraiment un cas particulier qu'on trouve uniquement en Afrique. Où vous avez une mère qui est catholique, un père qui est musulman, un oncle qui est protestant, une tante qui est branhamiste, un autre oncle ou une grande sœur ou un grand frère qui est... Donc, nous sommes divisés au sein même de notre maison. Alors, comment voulez-vous comprendre les enjeux? Comment voulez-vous construire? Déjà, au sein de sous un même toit, il y a plusieurs visions. De considérer déjà son Dieu. Alors que nous avons une spiritualité ancestrale qui correspond à notre paradigme. Alors, pour évoquer plusieurs techniques qui ont été mises en place, l'école coloniale a été un investissement énorme. Ils sont venus avec des techniques, on va dire, à caractère humaniste. Hein, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, c'est vraiment le cas de le dire. C'est que les missionnaires qui sont venus, soi-disant, civiliser les Africains, moi je remets en compte, je me dis, mais que veut dire ce mot civilisation? Est-ce que nous n'avons jamais eu de civilisation avant que l'homme blanc débarque?
me pose des questions. Par rapport à ces stratégies, comme notre ami Roger Bongos l'a évoqué, la France a établi un plan intitulé « L'Afrique et l'avenir de la France ». Il y a 15 propositions qui sont sorties donc, de ce fameux document de 501 pages. Et quand on lit, je peux vous en évoquer deux, trois. Donc la première proposition qui consiste à poursuivre et amplifier les mesures révisant la politique française des visas économiques afin de faciliter la circulation des acteurs économiques entre la France et l'Afrique. On peut lire ça comme ça, on se dit, ah ben oui, c'est sympa, hein, la France veut nous octroyer des visas facilement. Non. Il faut comprendre, il faut lire entre les lignes. Que cherche la France, au fait? La France veut perdurer sur le territoire. La France n'est jamais partie. Les pays africains n'ont jamais été décolonisés. En fait, ils sont partis, on va dire, physiquement, mais les institutions sont restées telles quelles. Donc, il nous faut revoir ça. Moi, je suis effarée de constater, il y a une école de guerre économique qui existe en France. Vous pouvez taper sur Internet, école de guerre économique. Donc, en parlant de ces stratégies, ça en fait partie, de cette façon de déstabiliser les économies, de faire consommer les populations de la nourriture, soi-disant nourriture, qui est de la malbouffe. Vous avez sur un plat, on vous propose des aliments. Vous ne vous posez pas la question, mais ce maïs, est-ce qu'on ne peut pas le produire chez nous? Des produits, les OGM, Monsanto, qui sont des produits, mais qu'il faut interdire à la consommation. Les paysans occidentaux pleurent. Les paysans occidentaux sont devenus des cancéreux, alors qu'ils ne connaissaient pas toutes ces maladies. Il y a un taux de suicide énorme. Luc Michel, vous connaissez, vous voyez ce que je veux dire. Il y a surtout des cancers qui n'existaient pas. Exact. Donc ce sont des produits chimiques qui non seulement tuent l'homme, diminuent la biodiversité, il y a une population énorme d'abeilles qui ont disparu en Europe. Tout ça causé par des produits qui vous donnent l'illusion de produire plus, mais c'est un système qui vous maintient dans l'esclavage, qui assujettit pas seulement le peuple africain, j'ai évoqué, les Occidentaux en sont également victimes. Donc ce sont ces multinationales qui utilisent plusieurs techniques pour déstabiliser les populations, pour faire consommer les gens. On a l'impression, ben voilà, ils sont sympas, ils viennent. Non. Il faut comprendre les enjeux. Il nous faut revoir notre système éducatif. Comme je l'ai dit, l'école coloniale a formaté le cerveau des Africains à consommer, à donner une connotation humanitaire, comme quoi ils viennent pour vous aider. Pas du tout. Les ONG qui sont impliquées, ce sont des agents infiltrés dans le système. On sait, en Amérique du Sud, ils ont été renvoyés dans certains pays, tout ça parce qu'on a compris leurs enjeux. Donc, moi, je dirais une proposition très simple. À nos États africains, nous devons revoir le tout. Moi, je suis très catégorique. On ne peut pas avoir une vision d'avenir 2050. On se dit, bon, on ne sera plus là. Mais non, moi, j'ai des enfants. Je compte voir ma descendance se porter mieux que ce que moi, j'ai vécu ou bien ce que je vis. Alors, nous devons miser sur les enjeux, démystifier le bluff, c'est un réel bluff qu'on nous vend, l'image de l'Occident protecteur, de l'Amérique gardien du monde, le maître du monde. On sait qu'il provoque des événements et ils viennent par la suite éteindre le feu. Tout ça, on a compris. Mais une fois qu'on a compris, il faut rentrer dans l'action. Éminence, on a retenu ce mot de malbouffe.
Mais je rappelle que ceux qui la produisent aussi, cette malbouffe, en sont victimes. Hein. Quand vous regardez les Américains aujourd'hui, personne n'a envie d'être Américain, ni à New York, ni ailleurs. Hein. Personne n'a envie de traîner une obésité congénitale. Ce n'est pas... Mais par contre, là, je relance un peu Bicoro. On a parlé... Je voulais juste ajouter un truc. Oui, ajouter. Alors, parce qu'on est en train de courir. Oui. Dans la malbouffe, en fait, qui nous explique l'histoire, c'est que les techniques qui sont employées en Afrique sont toujours testés quelque part. Donc, ils testent sur leur propre population et ils voient les résultats. Donc là, on rejoint Luc Michel qui disait que finalement, le monde, ce n'est pas qu'il faut tuer les Africains. Il y a juste une idée mondialisante qui voudrait que quelques petits groupes tirent 99% du profit mondial au profit du reste de la planète. Il y a une McDonaldisation du monde. C'est un modèle économique. On revient vers vous tout à l'heure. François Bicoro, qui n'a pas dit un mot depuis quelques instants... Éminence a brossé rapidement ce rapport de l'Afrique à la religion. Je suis un peu déçu. J'espère qu'elle va revenir sur ce thème. Parce que c'est peut-être là aussi l'un des enjeux. Quand on parle aujourd'hui de la Centrafrique, vous l'avez dit hier, qu'est-ce qui pousse un Africain, un Bantou, un pur Bantou, de considérer l'autre comme un ennemi juste au nom de la Bible ou du Coran ? C'est pas absurde ? Est-ce que notre rapport avec cette religion qui a des gants et des soutanes pleines de sang peut s'arrêter quand même ? Je crois qu'il faut faire attention parce que, comme les médias, comme la communication, les irrédentismes religieux sont les armes de demain pour la déstabilisation du monde et principalement de l'Afrique. Parce que nul ne peut promouvoir une culture qu'il ne maîtrise pas. Et aucun peuple ne peut se déterminer s'il ne connaît pas sa propre culture. Et les Occidentaux, j'ai dit, l'Occident l'avait compris en son temps, qui était venu chez nous avec une Bible devant et un peu de un fusil derrière. Mais je crois qu'il faut qu'on rebondisse sur ce que Luc Michel a dit tout à l'heure. Parce que, au regard des menaces que nous subissons à travers les médias occidentaux, la déstabilisation médiatique, l'intoxication, je crois qu'il faut positiver ça en se disant « je crois qu'ils sont fébriles ». Et s'ils sont fébriles, ça veut dire qu'ils se rendent compte que de notre côté, nous sommes en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation. Quand on voit la force, la pugnacité avec laquelle les géostratèges occidentaux, asiatiques et tout ce que vous voulez font tout pour être ensemble, plus nombreux. Quand je vois le nombre de moyens qu'on a mis en œuvre pour attirer l'Ukraine vers l'Union européenne, la détermination avec laquelle Poutine veut garder l'Ukraine. Quand je vois le TICAD, je vois les sommets Chine-Afrique, bientôt un sommet États-Unis-Afrique, ça suppose que lorsqu'on rentre en Afrique, on doit se désoler de constater que le père fondateur de l'Union africaine, le Maroc, n'est pas membre de l'Union africaine aujourd'hui parce que les fondamentaux qui avaient été posés en son temps n'ont pas été respectés. Quand je vois les types de menaces nouvelles qui se mettent en place, qui sont sophistiquées, on vous parle de tribunal pénal international, de cour pénale internationale, et vous constatez avec efficience et efficacité qu'en réalité cela a été créé pour faire peur aux leaderships africains. La preuve, vous pouvez voir qui s'y trouve. Quand vous voyez la détermination et la rapidité avec laquelle on a créé une déflagration autour de la Libye lorsque Kadhafi parle de RASCOM, lorsque Kadhafi parle de l'Union africaine, lorsque Kadhafi dit « j'ai les moyens de mettre en œuvre une nouvelle Afrique qui soit assez forte pour négocier avec l'Europe ». Quand vous voyez le nombre de bombes qui ont remplacé les bulletins de vote en Côte d'Ivoire, en réalité c'était la Côte d'Ivoire était un dégât collatéral tout aller vers la Libye qui était le timonier de cette nouvelle Afrique qui voulait se mettre en place. Et je pense, quand on voit le printemps arabe, alors que vous savez très bien que la notion de printemps est une notion européenne, ça prouve que ces gens ne maîtrisent pas notre culture, mais ils veulent nous attraper sur la culture qui est la leur. Je crois que c'est d'une prise de conscience ici qu'il faut en appeler. Vous avez dit quelque chose de fondamental à nos chefs d'État, n'ayez pas peur. Mais pour que les chefs d'État n'aient pas peur, il faudrait qu'il y ait ce type de débat. Il faudrait ce type d'image où on voit des africanistes, des panafricanistes qui ne sont pas nécessairement des natifs d'Afrique,
Comme on voit des gens qui sont en Europe, je l'ai dit l'autre jour, ne faisons pas revenir nos médecins, ils soignent les Européens comme les Européens soignent les Africains. Donc le problème n'est pas d'un retour des Africains qui sont en Europe, ils y sont parce que l'Européen a trouvé qu'ils ont la place. Créons des conditions ici chez nous pour que l'Européen qui vient chez nous ne vienne pas avec l'idée ancestrale, coloniale, qu'il vienne avec une idée de quelqu'un qui vient vers un autre être humain, qui vient travailler avec lui. Si on est dans ce genre-là, on va éradiquer dans le subconscient des Africains et notamment de nos chefs d'État la peur. Parce que quand on va en France, à un sommet France-Afrique, aller rencontrer un seul pays, alors que nous sommes 52 pays, et il y a quelque chose qui ne va pas. Quand Luc Michel explique que les États-Unis sont forts parce qu'ils ont su constituer presque un continent avec 50 États et qu'ils ont considéré l'Europe comme étant une sous-colonie, ça veut dire qu'entre l'Europe occidentale et nous sommes des victimes d'un système où des gens cherchent à se dominer. Si nous sommes donc habités par la peur de ne pas disparaître, je crois qu'en se mettant ensemble, en se comprenant, on peut avancer vers des lendemains meilleurs. Les chefs d'État qui vont se réunir ici demain, je le rappelle toujours, nous devons les rassurer. Et pour les rassurer, il faut que les médias, les géopolitologues, tous ceux qui pensent le devenir de l'Afrique, n'utilisent pas les images qui font peur. Les images de ces pays, les images, il faut tuer la volonté de déstabiliser l'Afrique en utilisant les actants même de l'Europe occidentale. C'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire le respect des droits humains, le respect des droits de l'homme, les libertés. Quand on respecte ce genre de concepts, qui nécessairement sont des concepts universels, mais ne sont pas des concepts typiquement africains, si l'on lit les livres, mais vous conviendrez avec moi, je sors d'un pays où on dit qu'on a une stabilité. Une stabilité entre guillemets, mais c'est parce que là-bas, on a compris qu'il faut ouvrir. L'être humain a besoin d'ouverture. L'être humain a besoin de liberté. L'être humain a besoin de démocratie. C'est des choses qui sont bonnes pour nous tous. Mais ce qui est mauvais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les multinationales, on parlait d'industrialisation. Peut-on être industrialisé? Demain, on va parler d'agriculture. Mais il se pose des questions de terre. Nous sommes dans des pays où un seul individu qui n'est même pas africain a toute une moitié du pays. Je suis au Cameroun. Je crois qu'il y a Del Monte qui a pratiquement deux régions chez nous, à lui seul. L'ensemble des guerres que nous avons chez nous, entre nous, c'est des guerres de terre. En 2008, lorsqu'il y a eu qu'on appelle ça la guerre de la faim, c'est-à-dire des jeunes expriment leur ras-le-bol pour dire mais on a besoin de travailler, on a besoin de cultiver, mais on ne sait pas là où aller. On a eu un apparatchik du pouvoir mettre en prison à vie un jeune maire de 33 ans qui avait dit ce n'est pas normal que je sois maire d'une localité où se trouve la SPBA, je crois que ça donne une société française, et que sur les centaines de milliards et des hectares de terrain que monsieur racole, il ne met que 80 millions de francs par an dans la caisse de la commune. On lui a dit, ce n'est pas bon que tu parles de ce genre de choses. On a vu dans d'autres États, quelqu'un a parlé de Bolloré, il y en a un peu partout, pour que nos chefs d'État demain sachent qu'ils doivent libérer l'Afrique de la faim et de la famine, il faudrait que nous, on les rassure, que nous allons continuer la conscientisation. Et pour continuer la conscientisation, il faut revenir aux fondamentaux que Kadhafi avait posés. La guerre de demain, c'est la guerre de communication, c'est la guerre de financement. Le fonds africain que Kadhafi voulait mettre en place, il est où? RASCOM, qui avait déjà commencé à se mettre en place, il faut qu'on le remette en place parce que nous devons avoir les mêmes types de langage pour parler à nos frères européens. Troisième chose, pour terminer, il ne faudrait pas que l'on parle de la colonisation. On veut se départir de la colonisation européenne pour tomber dans une colonisation asiatique. Je crois qu'il faut beaucoup réfléchir. Certes, nous avons subi pendant longtemps un certain nombre des arbres de cette colonisation, mais les Africains doivent faire attention. On ne doit pas partir de quelque chose que l'on connaît à quelque chose que l'on ne connaît pas sans bien réfléchir. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui la Chine, c'est bien, l'Union soviétique. Non, nous disons ce dont il faut, c'est que chacun trouve un intérêt dans notre relation avec l'autre.
Bamba, vous allez rebondir sur cette notion finalement de l'épanouissement des Africains d'abord à l'intérieur. Et, parce que jusqu'ici, quand on écoute les panélistes qui sont tous éminemment brillants, on n'a pas encore entendu quelqu'un parler de la voix de l'Afrique, la voix du peuple. La voix de l'opinion nationale africaine, ce que pensent les gens. Parce qu'au-delà des blocs, ça peut être une construction idéologique. C'est pour ça qu'on parle d'idéologie. C'est les idées qui ne peuvent pas être matérielles souvent quand elles sont mal appliquées ou très dangereuses. Est-ce que l'Afrique, les jeunes qui nous écoutent, la population africaine, est-ce qu'elle est consultée? Est-ce qu'on sait ce que veulent les gens aujourd'hui? On n'a pas le mandat pour parler en leur place, mais nous vivons avec, nous sommes de cette opinion. Est-ce qu'en 2014, aujourd'hui, il n'y a pas une montée d'une nouvelle génération d'Africains qui demandent autre chose, ni les blogs, ni rien, mais un développement, un épanouissement sur place? Je pense que Virgilio parlait de ça. On consulte souvent les jeunes en Afrique quand il s'agit des justes électorales, dans la plupart de nos États. Et après, on les oublie. Et ce sont ces jeunes-là, ces oubliés-là, souvent, qui finissent par battre le pavé pour dire qu'on ne veut plus de toi, va-t'en. Les Boisiziers, on en parlait. C'est un peu ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, je vais revenir encore sur ma notion des multinationales. En Côte d'Ivoire, 115 000 hectares au nord pour produire du riz. Mais qui on va employer? C'est pour 30 ans au moins, 20 ans, mais pour employer qui? Des jeunes du nord. C'est-à-dire des ressortissants de la partie nord du pays qui vont être certainement des ouvriers agricoles sur leur propre terre pendant peut-être 30 ans. Or, si on donnait des moyens clairs, on donnait des instructions à des partenariats publics-privés bien précis où nos États gagneraient et dire à ces jeunes-là... C'est-à-dire de rendre des jeunes producteurs. Au lieu de simples ouvriers. Voilà. Ça allait arranger les choses. Malheureusement, dans le plan du cas, j'ai parlé du cas du Sénégal, où on parle déjà de près de 625 000 hectares vendus. En Afrique, on parle de peut-être 35 millions d'hectares déjà vendus. Cédés ou vendus? Cédés. C'est compliqué, ça. À quoi nous allons assister? Demain, quand ces jeunes-là auront des problèmes avec soit Louis Dreyfus, soit avec, comme il le disait, Del Monte, une autre chose, peut-être vous parler en Amérique centrale là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens vont commencer peut-être à tirer dessus. Excusez-moi, je ne veux pas parler de ça. Mais les jeunes vont se révolter, on va leur taper dessus, notez-vous. Mais ceux qui auront signé ces contrats, où ils seront où? Ils seront où? Nous, vous et moi, Michel, nous ne sommes pas éternels, nous serons partis et nos enfants deviennent quoi? Ils seront des esclaves sur leur propre terre. Moi, je ne voudrais pas de cela. Il faudrait que le débat qui aura lieu demain ou après-demain, qu'on dise clairement en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture a dit que le problème d'occupation, mais d'accaparement des terres n'existait pas. Aïe. Que c'est interdit. Que c'est interdit. Mais en réalité, il y a, au même moment, on reçoit les autorités, les responsables de Louis Dreyfus, on dit qu'on va leur octroyer, que ça a été déjà fait, 115 000 hectares de terres dans le nord. Mais les conflits fonciers ont fait beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire. Regardez l'ouest de la Côte d'Ivoire, Diokoué, Bangolo. Quand je dis Bamba, on a quoi? C'est vrai, je suis nordiste, mais né dans l'ouest. Je sais ce qui se passe. La plus forte communauté qui produisent beaucoup le cacao, c'est la communauté Baoulé, mais qui se trouve dans le centre-ouest. C'est les Burkinabés qui se trouvent dans l'ouest du pays. Vous avez entendu parler de l'histoire de Amadou Rémy? Il y a un genre de colonie de peuplement qui est en train de créer. Il faut chercher à régler ces histoires de conflits fonciers. En Afrique. Oui, mais tout à l'heure, Mbamba, sans vouloir vous couper, on est en train de parler d'une Afrique qui doit être unie. Mais quand vous parlez de colonie de peuplement, on a l'impression que c'est les autres qui viennent d'ailleurs qui annexent et sont stigmatisés. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ça, ce débat qu'il faudrait dépasser? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Ça doit se faire dans les règles de l'art. On peut venir, c'est quoi les règles de l'art? On peut venir travailler, mais il faut respecter ceux qui sont là. Ça doit être normal ou pas? Il faut venir, tu peux venir travailler, mais le national de choses originaires de Diokoué, de Bangolo, a droit. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient, Obron? Allez-y comprendre quelque chose. Ce que je voudrais dire, je ne veux pas dire qu'il faut chasser les autres.
Fadi Gringo, hein, Hombre de Afuera, no es eso. Hay que trabajar juntos, trabajar en la solidaridad, en la mutualización de las experiencias. Eso va a ayudarnos a producir muchos, la comida para sí, todos sí. En África. Cuando iremos a discutir con los multinacionales sí. Y que no habrán, tendremos hambre, ¿qué van a pasar? Luc Michel, on revient vers vous. Ça va être sans doute peut-être le dernier tour de table, hein, puisqu'on va y aller. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de cet enseignement quand vous nous parlez, par exemple, de la constitution d'un nouveau bloc pour être plus fort? Et comment peut faire l'Afrique aujourd'hui pour sortir un peu la tête haute? Quelle peut être sa place dans ce nouveau bloc de rapport de force que vous citiez tout à l'heure, si nous sommes encore fragilisés et faibles? Mais je pense que pour parler justement d'une voix forte et assurée dans ce genre de bloc, il faut que les Africains fassent leur union, évidemment. Comme les Européens de l'Ouest ont commencé à la faire, comme Poutine est en train de la faire en Eurasie. Mais moi, je voulais quand même, le débat a pris un tour très intéressant, parce que la géopolitique, c'est bien, mais il y a aussi la bataille des idées, ce que vous appelez l'idéologie. Moi, je n'ai pas peur du mot, je suis parfois un idéologue, dans le sens marxiste du terme. Il y a une constatation. Soit on produit ses propres idées, soit on subit celles des autres. Actuellement, le monde, ce qu'on appelle la globalisation, il tourne autour de quoi ? Il tourne autour des idées américaines. Ce libéralisme sans frontières, la destruction de l'État, les multinationales plus puissantes que les États. Il y a une réflexion immédiate. Il n'existe pas de grand think tank africain. Aucun. Ça, c'est le point de départ pour moi. Il faudrait un think tank africain avec des gens qui débattent, qui produisent de l'idéologie, qui produisent... Comme ce qu'on est en train de faire, là, maintenant. Comme ce qu'on est en train de faire, mais systématiquement. En sachant, on a parlé des think tanks français, de ces écoles de guerre économie, des plans Védrine. C'est ça, eux produisent de l'idéologie. Et ce qui est grave, c'est que parfois, certains Africains se font prendre à cette idéologie. Donc, moi, je crois, il faut commencer à définir, il faut prendre position face à la globalisation. Les Américains ont conduit le monde. C'est l'économie chez eux qui domine. Quelle est la classe dirigeante aux États-Unis? C'est le lobby militaire et industriel, c'est la classe financière. Ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas Obama, ce n'est pas Bush. Bush est puissant en ce sens qu'il est un pétrolier lui-même, issu d'une famille de pétroliers. Donc il faut prendre position. Et il y a des idées alternatives. La première idée, c'est ce qu'on appelle l'économie dirigée. Il ne faut plus parler de socialisme. Moi, je suis issu, je me considère comme socialiste, mais l'idée socialiste, pour le moment, n'a pas marché. On paye l'échec de l'Union soviétique. Il y a l'économie. L'économie dirigée, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que nous ne nions pas le marché, nous ne nions pas le profit, parce que c'est ça qui fait marcher. Mais c'est la politique, c'est l'État qui domine l'économie. Les Américains, ils font l'inverse. Les multinationales. La globalisation détruit les États. C'est ce qui est en train de se passer en Europe occidentale, où l'État est en train de mourir de ce libéralisme. La deuxième chose, c'est une vieille idée économique. Et elle est liée à ces grands blocs continentaux. Ça s'appelle l'espace économique fermé. Ce sont des théories du 19e siècle qui ont servi, par exemple, à unifier l'Allemagne, avec un grand économiste qui est Friedrich List. Qu'est-ce que c'est l'espace économique fermé? On dit qu'il faut faire l'unité économique, adopter la même monnaie, et on n'importe pas ce qu'on peut produire, et on n'importe que sur des rapports d'égalité si on doit le faire. Actuellement, il n'y a pas de rapport d'égalité. Regardez les avantages économiques que s'octroient, par exemple, les États-Unis, mais aussi l'Union européenne en Ukraine. Eux se donnent tous les droits. Et le pays qui subit ça n'en a pas. On doit sortir de cette logique. Il faut donc prendre position, produire des idées alternatives. Et ça, je pense que ça doit se faire dans une institutionnalisation au niveau de l'Union africaine. Je ne comprends pas, moi je l'ai dit souvent, je ne comprends pas pourquoi l'Union africaine, par exemple, ne crée pas un grand think tank panafricain. Il y a de l'argent, il y a des moyens.
avec des échanges universitaires, avec des symposiums. C'est comme ça que les occidentaux fonctionnent. Il ne faut pas avoir peur, je le redis, il ne faut pas avoir peur de se faire enseigner par l'ennemi. Donc ce n'est pas parce que, vous savez, si un Américain avait inventé la brosse à dents, ça ne m'empêcherait pas de me laver les dents. Enfin, c'est ça le principe. Merci Luc Michel. Alors, Bongos, vous avez tout à l'heure dans votre sortie démontré avec des chiffres à l'appui que l'Afrique est pillée de toutes parts. Mais maintenant, à la suite de Luc Michel, il parlait de créer aussi une intelligence africaine, une force de proposition d'idées pour que nos dirigeants peut-être les suivent, pour peu qu'ils aient même le courage de les accepter. Est-ce qu'on peut aller dans cette lancée? Est-ce que ça peut participer à la construction de notre propre marché d'idées à vendre aussi au monde entier? Oui, on peut vendre ce qu'on détient. Or, l'Afrique ne détient absolument rien. L'Afrique détient virtuellement les choses, détient les richesses, détient de terrain, détient de l'espace, détient des réserves d'eau et minerais, virtuellement. Parce que tout est maintenant récupéré avec leur système mining de Banque mondiale, Globe de Paris, Fonds monétaire international, qui calcule. Vous en empruntez 2 milliards, vous remboursez 14 milliards. Donc, c'est là où on vous met la corde au cou et jusqu'à ce que vous vous suicidez, comme ma consoeur venait de l'expliquer par rapport à ce qui se passe en Inde. On peut vendre des engrais de Monsanto, OGM, vous le mettez, on vous dit, on vous garantit que voilà, le lendemain, vous allez avoir une certaine productivité. Toujours, comme il utilisait le thème, le bluff là, en fait, voilà, le jour au lendemain, vous vous réveillez le bec dans l'eau. Notre DG a expliqué, spécifié, en fait, grosso modo, ce qu'on peut apporter. Ici, surtout, je vais terminer avec ces pays qui est la Guinée équatoriale. J'ai fait un reportage hier, parce que moi, j'aime bien tâter, toucher ce que je fais. En tant que journaliste, en tant qu'investigateur, j'aime bien voir. Je suis allé faire un tour dans cette capitale, j'ai observé. 15 années plus tard, j'ai vu l'évolution. Mais cette évolution est telle que ça peut occasionner de jalousie. Ce qu'on a vu ensemble, on a été en Libye ensemble. Le pays, la Libye, le taux de croissance était très élevé. La population avait le système social le plus développé au monde. On terminait les études, vous avez une bourse, vous avez quelque chose de 50 000 déjà épargné sur votre compte. Vous mariez, on vous donne une voiture, on vous donne un appartement, tout était régulé. L'école gratuite, tout était gratuit. Le transport, l'essence. Vous viviez dans un environnement où on pouvait, comme un sociologue canadien disait, je suis allé dans ces pays-là, je n'ai pas vu des SDF. Mais je suis retourné chez moi au Canada, je vois plein de SDF. Quel est le pays qui est le mieux? Alors on peut voir ça ici aussi, pour revenir dans ces pays. On peut observer qu'il y a des maisons qui poussent comme des champignons. J'ai répertorié 340 immeubles qui poussent ici. Personne ne l'a fait peut-être, moi je l'ai fait hier. Je comptais, je notais, je comptais, je mettais des croix, je notais. Quand vous développez votre pays, vous donnez un exemple de développement, l'Occident qui est de l'autre côté, les Occidentaux qui sont de l'autre côté, vont vous détruire ce que vous êtes en train de construire pour ne pas donner l'exemple aux autres. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des résolutions. Vous créez autour de vous une chaîne de panafricanistes, ce qu'on est en train de faire là, afin de protéger cela avec des discours, avec des reportages, avec des émissions, avec des choses claires, palpables, pour protéger cet acquis. Si vous ne le protégez pas, on va se trouver avec un pays embrasé, comme on a vu en Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu à Tripoli aujourd'hui, ce qui se passe. Quand le président Obiangema, le pays ici, 15 ans après, ils ont découvert le pétrole. C'était une petite forêt ici, où les gens vivaient
agréablement, ils avaient de quoi à vivre parce qu'il y avait la terre qui produisait quelque chose. Le malheur de ces pétroles a valu à ces présidents cette histoire que vous avez vue à Paris, le bien mal acquis. Et derrière cela, il y a transparence. Un conglomérat, agglomérat de gens de mauvaises intentions. D'hommes d'affaires véreux. Je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là pour... Ben allons-y, puisque on va parler dans la langue de bois. Oui. Alors, dites-moi, on vous donne, on vous ouvre la porte avec un appel d'offres. Vous venez avec vos sociétés ici, sociétés italiennes, françaises, américaines. Ils sont venus pour faire l'exploration. Ils ont eu l'avance sur cette affaire. Des sommes importantes, mais je ne vais pas l'énumérer ici. À l'arrivée, ne pas réaliser ce qu'ils devaient réaliser, respecter les contrats, ne pas respecter les contrats, comme d'habitude toujours. Et maintenant, on dit pour essayer de salir cette image, on va essayer de sortir cette histoire de bien mal acquis. Mais moi, je n'ai jamais vu dans un pays où Bush a mis l'Irak par terre, ne se retrouve pas aujourd'hui à la CPI en tant que criminel de guerre. Et la CPI n'est pas... Il y a 115 pays qui ont ratifié ces traités de Rome. Et dans ces traités de Rome, il n'y a aucun État puissant, comme les Américains, ne veulent pas mettre leurs pieds là-dedans. Et c'est eux qui envoient des gens vers la CPI. Une sorte de justice des vainqueurs. Alors, je suis à côté du directeur... Je n'avais pas terminé, mais comme on n'a pas beaucoup de temps... comme on n'a pas beaucoup de temps pour dire simplement... Laisse-lui quelques minutes encore. Je disais, le bâtiment qui pousse ici, le développement de ces pays devait être protégé. Protégé parce qu'il y a un écho d'autres pays. C'est l'Afrique centrale. Ce qui est ici, ça va transpirer dans d'autres pays. Le Cameroun, il y a des voisins ici, il y a la RDC, le Congo-Brazzaville, etc. Et ça va donner une certaine impulsion. Et nous avons besoin de cela. Des co-circuiter ces multinationales, que je parlais des 85 multinationales qui sont ici, qui font de la prédation, j'ai bien dit, de la prédation en exhibant cette chose des guerres et des religions ethno-tribales et des guerres idéologiques. Ils se mettent avec des gens qui veulent détruire l'Afrique pour, bien entendu, se pérenniser dans leur logique. Alors, ce qui est important à faire par rapport à cela, de mettre en place, bien entendu, une chaîne de solidarité autour de ce que le président Obiang Nguema est en train de faire. Voilà ce que je voulais dire, mais j'avais beaucoup de choses, comme il y a beaucoup... Enfin, il ne reste pas grand-chose. On aurait pu passer toute la journée, mais le débat continue. On a des exigences. Voilà, tout à fait. Je vous laisse conclure avec... On est en train de faire un dernier tour de table. Il y a petite chose que moi je voulais mettre le point sur ça, non? Et parce que c'est nous avons autour de la table ce qu'on appelle je ne sais pas comment on dit en espagnol tormenta de ideas. Tormenta de ideas, là où les gens... Mais il faut retenir quelques idées qui sont fixées, qui peuvent servir pour mettre en place les structures qu'on est en train de demander, le bloc qu'on demande. Et la guerre idéologique, la guerre surtout spirituelle, je pense que c'est la seule dame que nous avons sur la table qui a mentionné ça, non? Et ça m'a vraiment fait là-dessus demain. Oui, ça m'a vraiment fait la mémoire sur ça, sur un discours, le discours du roi Léopold vers les religieuses qui venaient à la colonisation. Vous ne partez pas en Afrique pour parler du Dieu, parce que l'Afrique connaît déjà qui est le Dieu. Mais vous allez pour dire aux Africains que les richesses ne sont pas rien. Donc il faut savoir que c'est après la mort qu'ils vont mieux vivre. Donc c'est votre travail. Ce n'est pas montrer l'Afrique. Et une autre petite chose, et l'autre, il dit, c'est un Africain qui a dit ça. Vraiment, maintenant je ne rappelle pas. Et vous pouvez même m'aider. Il a dit, avant la colonisation, nous avions les terres et le colonisateur, la Bible. Après la colonisation,
nous avons la Bible, oui. Le colonisateur Jomo Kenyatta. Exactement. Et c'était bien posé. Hein. Donc c'est une autre guerre qu'il faut livrer. Il faut livrer, mais non, on ne peut pas laisser ça à part. Il faut toujours savoir que la guerre qu'il faut livrer, c'est intégrale. Peut-être qu'on utilise le mot guerre, ça peut évoquer la violence. Non. On dit bien sûr la guerre au niveau intellectuel. C'est pas au niveau des violences physiques. La CIA s'appelle, oui, Central Intelligence Agency. C'est l'objet pour créer la guerre. Donc on peut mettre intelligence par rapport à la guerre. Mais, et après, une petite point là pour corriger mon frère Bikoro qui a fait mention à ce que je dis sur la Chine, non? J'ai mentionné la Chine, et pas pour qu'on prenne maintenant, on laisse le système occidental pour prendre maintenant le système chinois. Non, je n'ai pas dit ça. C'est plutôt de dire à l'Afrique que chacun doit créer son système. Et tu vas être mieux toujours dans ton système qu'en imitant le système des autres. C'est ça. Alors, on va chuter avec vous, oui, avant de terminer aussi là-bas. Éminence, qu'est-ce qu'on va dire au sortir de ce débat qui a été très riche en enseignement, et surtout sur la question de la religion, hein, finalement, parce que, oui, on n'a pas eu le temps d'en parler, peut-être en quelques minutes. Alors, c'est le mot de la fin. Alors, je dirais tout simplement comme hier, hein, l'Afrique doit redéfinir son propre modèle qui correspond à son paradigme. Parce que c'est prouvé que la démocratie n'existe pas. Par là, je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un modèle politique, démocratique, valable pour tous les pays du monde. C'est exactement comme la spiritualité. Il n'y en a pas une, mais mieux qu'une autre. On a un paradigme qui correspond, en fait, dans tous les domaines. Alors, demain, ça va être, on aura peut-être plus de temps d'en parler, et c'est vraiment un sujet où nous devons travailler là-dessus. Parce qu'on nous divise de plusieurs façons pour qu'eux y règnent. Économiquement parlant, politiquement parlant, culturellement parlant, les médias poubelles qui nous envahissent, des séries, des sitcoms qui n'ont rien à voir avec nos valeurs, nous devons bannir ce genre d'informations qui nous intoxiquent, tout comme les produits OGM, Monsanto, qu'il faut chasser de notre territoire. François Bikoro, enjeu de stabilisation et de déstabilisation, on n'a pas fait le tour de la question, on est conscient, mais qu'est-ce qu'on peut retenir en deux phrases? Ce qu'on peut retenir, c'est simplement que Areva n'a pas besoin de tuer les Maliens et les Nigériens pour continuer à rendre heureux les Français en ce qui concerne le gaz et l'électricité. On n'a pas besoin de tuer les Aïrois, RDC, Congo, parce qu'on veut le coltan qui permet aux avions des autres de marcher. On n'avait pas besoin de nous créer une guerre entre le Cameroun et le Nigeria parce qu'on voulait chercher le gaz de schiste et tout ce qu'on veut sur le golfe de Guinée, comme on n'a pas besoin à l'OUI aujourd'hui de se réunir alors que la Côte d'Ivoire a des problèmes, la Libye a des problèmes, la RC a des problèmes, le Soudan a des problèmes, le Nigeria a des problèmes et tous les autres problèmes. Donc nous voulons dire aux Africains qu'on n'a pas besoin d'accepter qu'on nous tue pour avoir quelque chose. Et pour contourner cela, il faudrait que, au sortir de l'OUA, de l'Union africaine, vendredi soir, que l'on trouve une stratégie qui consiste à faire en sorte que ce qui n'intéresse pas les Africains, mais qui intéresse les Européens, qu'on le mette à part, c'est-à-dire ce qui fait marcher leur machine et tout ça, et qu'on crée une agriculture qui intéresse les Africains, qu'ils mangent bien, qu'ils boivent bien, et qui n'ait pas double frustration, celle de voir leur terre partir et leur gaz partir, alors que même à l'intérieur, ils ne mangent pas. On a beaucoup de riz, on a beaucoup de terre, on a de l'eau, on a tout pour réussir. On n'a pas besoin d'aller se faire sermonner à Paris, à New York ou à Londres, alors que même il y a la main d'œuvre, il y a les bras, et maintenant il y a la volonté, il y a le nouveau partenariat avec la nouvelle Europe et la nouvelle Afrique. Nous, Sadio, vous qui intégrez le plateau et qui avez le bonheur aussi de clôturer le débat, qu'est-ce qu'on peut dire, vous qui arrivez à l'instant? Je suis vraiment ravi du débat que j'ai suivi avec une dextérité, parce que le débat était élevé et c'est intéressant. Mais j'aurais voulu que nous disions beaucoup de choses à nos dirigeants. Comme Bikoro dit, de les protéger, c'est vrai. On doit les protéger parce que l'idée que l'Occident a d'eux, souvent n'est pas vraie. Et qu'est-ce que je vais remarquer dans tout cela? Il y a des concepteurs de systèmes qui sont eux
et les animateurs du système qui sont nos gouvernants. Il faut que nos gouvernants sachent maintenant que le monde a changé et qu'ils soient responsables de leurs actes. Éviter d'envoyer des ministres qui prennent des commissions au dos des peuples et que ces commissions ne leur servent qu'à eux. Parce que le peuple africain, là où nous sommes, nous avons besoin de soins, nous avons besoin d'aller à l'école, la formation. La formation pour qu'il y ait des ressources humaines prêtes à développer l'Afrique. Le reste, ce n'est que des racontats. Et quand j'écoute Luc Michel, je suis ravi. Vous savez, Luc Michel fait partie des animateurs de Afrique Média, qui est une chaîne. Je crois que si elle était là au début, les Hadafi ne seraient pas traités de la manière. Malheureusement, l'information, il faut que nos chefs d'État sachent que l'information est primordiale et qu'elle est nécessaire. Et je remercie tout ce que vous avez fait à notre place. Nous sommes venus, on a pris le train en marche, mais on était contents parce qu'on n'aurait pas fait mieux que ce que vous avez fait sur ce plateau. Neko Bikoro l'a si bien dit. On n'a pas besoin de tuer autant de Centrafricains parce que le pétrole est en vue, parce que le coltan est en vue, parce que le diamant est en vue. On a vraiment besoin de laisser les gens tranquilles et de venir négocier d'égal à égal, comme nous le réfutons ici. Les exemples du président équato-guinéen, je le répète encore, un éminent africain, quand vous arrivez à cet aéroport de Malabo, vous savez que les gens ne dorment pas et que le pays est en train de vivre et que c'est le rythme que le pays, au rythme qu'il vit, et qu'il a inventoriorisé des immeubles, il a inventoriorisé les. C'est de ça qu'on a besoin, se soigner. Et hors de Guinée, on me dit qu'il a l'un des hôpitaux les plus performants du monde. Les présidents africains partent se soigner en Europe. On peut les inoculer les substances s'ils ne sont pas d'accord avec ce système. Et je suis surpris souvent que M. Bouteflika, qui est président de l'Algérie, que nous aimons bien, parte se soigner souvent en Europe, alors qu'il a tout le temps de faire un hôpital de référence et de recruter les médecins. Ce n'est pas ça qui manque en Afrique. J'ai donné l'exemple des médecins congolais hier en Afrique du Sud. Ils sont parmi les meilleurs. Et si vous êtes en Afrique du Sud, vous rencontrez un médecin congolais, il va vous dire, diagnostiquer votre mal et il vous mettra à point. On va sortir de ce débat, mais je vais laisser Virgilio le temps, à Virgilio le temps de dire deux mots et puis on va sortir. Bon, permettez-moi maintenant aussi d'échanger, parce que je voulais montrer, surtout présenter. Ça c'est un petit ouvrage, Este es un pequeño libro que ha escrito mi compañero Marcial Biso, que es el presentador, que está llevando esta emisión en francés. Entonces, este trabajo, lo hemos mirado y hemos revisado encima. Él está haciendo una trayectoria de lo que ha sido el trabajo políticamente correcto de nuestro presidente de la República desde el golpe de libertad en 1979. Él está haciendo una pequeña trayectoria de lo que son las transformaciones económicas, a nivel social también, dentro de nuestro país. Y al mismo tiempo, veo que también ha tenido tiempo Marcial para mirar un poco la imagen y la trayectoria del trabajo de nuestro presidente fuera de ese país, en el contexto africano, incluso a nivel mundial. Y ese es un libro que está escrito en francés, pero yo creo que dentro de poco también se puede traducir en el idioma oficial de Guinea Ecuatorial. Así que, como vamos terminando, tenía la necesidad de presentar este libro en español. Él ya lo hizo ayer, pero en francés. Para aquellos que no son francófonos, pues era necesario volver a hacerlo, más o menos. C'est tout, c'est bien. Merci à toute l'Afrique de nous avoir suivis, à tous les africanophiles de par le monde. Je vais dire merci à Luc Michel, géopoliticien venu de Bruxelles pour participer à ce débat sur l'Union africaine et l'avenir du monde. Merci aussi au géostratège qui est là à côté de lui, Roger Bongos, parti de Paris aussi, pour apporter sa contribution, sa pierre à la contribution des idées et des édifices de cette Afrique en marche. Merci au directeur de la
radio-télévision de la Guinée équatoriale nationale et internationale. Mon frère et ami Virgilio est là. Et puis Éminence aussi Pala qui est parti de Zurich pour venir construire son Afrique. Et puis merci à François Bicoro, spécialiste des questions internationales, et à Noir Sadio, internationaliste, analyste et panéliste de choix sur les plateaux de télé africains. Alors on va sortir de ce débat aujourd'hui qui portait sur les enjeux et surtout les jeux de stabilisation et de déstabilisation de l'Afrique dans la géopolitique mondiale. Nous sommes juste en train de passer un message, peut-être subliminal, envers nos chefs d'État. Prenez vos responsabilités, n'ayez plus peur, prenez sur vous le soin de guider le peuple africain qui veut une autre idée de son avenir, prendre un autre destin, dont juste un peu d'espoir. Merci et bonjour l'Afrique. À demain sur cette capitale Malabo en pleine mutation, sur cette Afrique. Demain, 8h, top pile, et ça sera en direct. Salut l'Afrique. Cumbre continental, cumbre de la Cuba, la cumbre histórica.